22 ans de cauchemars et de terreur, auxquels je n'ai réchappé qu'en me raccrochant désespérément à la conviction que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie-Occidentale durant la nuit du 17 au 18 juillet 1935. Il y a de bonnes raisons d'espérer que mon aventure fut totalement ou en partie une hallucination, à laquelle on peut en effet trouver plus d'une cause. Et pourtant, elle était si hideusement réaliste que cet espoir me semble parfois impossible. Si cette chose s'est produite, alors l'homme doit se préparer à accepter au sujet du cosmos et de sa propre place au sein du bouillonnant tourbillon du temps, des idées dont le simple énoncé est paralysant il faut aussi le mettre en garde contre cette menace latente spécifique qui même si elle ne sonnera pas le glas de l'humanité tout entière peut faire fondre sur ses esprits les plus entreprenants nombre d'horreurs aussi monstrueuses qu'inimaginables c'est pour cette dernière raison que je conseille instamment l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer ces mystérieux fragments de maçonnerie primitive que mon expédition s'apprêtait à examiner. Si l'on suppose que j'étais sain d'esprit et bien éveillé cette nuit là, alors mon expérience est sans équivalent parmi les hommes sans compter qu'elle apportait une effroyable confirmation à tout ce que je m'étais efforcé de rejeter comme relevant du mythe ou des rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuve. Car dans ma terreur, j'ai perdu l'épouvantable objet qui, à condition qu'il fût réel et que je l'eusse effectivement rapporté de cet abîme funeste, eût constitué une preuve irréfutable. J'étais seul lorsque je découvris cette horrible chose, et je n'en ai jusqu'à présent parlé à personne. Je n'ai pas réussi à empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les mouvements du sable leur ont épargné sa découverte. Je dois à présent rédiger une déclaration définitive, non seulement pour le bien de ma propre santé mentale, mais aussi pour mettre en garde tous ceux qui voudront bien la lire sérieusement. Ces pages, dont les premières seront en grande partie familières aux lecteurs assidus de la presse généraliste et des revues scientifiques, sont écrites dans la cabine du bateau qui me reconduit au pays. Je les remettrai à mon fils, le professeur Wingate Peasley de Miskatonic University, seul membre de ma famille à ne pas m'avoir abandonné après mon ancienne et très étrange amnésie, et personne l'a mieux informé des faits relatifs à mon cas. De tous mes contemporains, il est le moins enclin à tourner en dérision ce que je m'apprête à raconter de cette nuit fatidique. Je ne lui ai rien appris de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il était préférable de lui faire parvenir cette révélation sous forme écrite. Il pourra, en la lisant et relisant à loisir se représenter les événements de manière beaucoup plus convaincante que s'il avait dû écouter mes paroles confuses il fera de ce récit ce que bon lui semblera le montrant accompagné des commentaires adéquats partout où cela sera profitable c'est à l'intention des lecteurs qui ne se seraient pas familiarisés avec les premières phases de mon cas que je me permets de livrer ici en guise de préface à la révélation proprement dite, un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate Peasley, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente, ou bien la rubrique du courrier et les articles des revues de psychologie d'il y a six ou sept ans, sauront qui est ce que je suis. La presse regorgeait de détails relatifs à mon étrange amnésie de 1908-1913, et l'accent fut mis sur la longue tradition d'horreur, de folie et de sorcellerie rôdant à l'arrière-plan de la vieille ville du Massachusetts qui était alors et est encore mon lieu de résidence. Cependant, j'aimerais souligner que mon hérédité, de même que ma jeunesse, était exempte de toute folie ou événement macabre fait de la plus haute importance, si l'on pense aux ténèbres où je fus brusquement plongé, bien malgré moi, par des forces extérieures. Plusieurs siècles de sombres ruminations ont peut-être rendu Arkham, cette antique cité parcourue de murmures, particulièrement vulnérable à de telles ténèbres, bien qu'une telle hypothèse me semble douteuse à la lumière des recherches que j'ai depuis entreprises. Mais l'essentiel est que mes ancêtres et mes antécédents sont tout à fait normaux. Ce qui a surgi, a surgi d'ailleurs, d'où exactement, encore maintenant j'hésite à le dire. Je suis le fils de Jonathan et d'Anna Wingate Peasley, descendant l'un et l'autre de saines et vieilles lignées d'Averill. Je suis né et j'ai grandi à Haverillel, dans la vieille demeure de Boardman Street près de Golden Hill, et je ne suis jamais allé à Arkham avant d'intégrer Miskatonic University à l'âge de 18 ans. C'était en 1889. Une fois mon diplôme obtenu, je me rendis à Harvard pour y étudier l'économie avant de revenir à Miskatonic pour y enseigner l'économie politique en 1895. Durant les treize années qui suivirent, Ma vie s'écoula paisible et heureuse. J'épousai Alice Kidzard d'Averill en 1896 et mes trois enfants, Robert K., Wingate et Hannah, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. En 1898, je fus nommé assistant avant d'être enfin titularisé en 1902. Pas une seule fois je ne manifestais le moindre intérêt pour l'occultisme ou la parapsychologie. C'est le jeudi 14 mai 1908 que se produisit l'étrange amnésie. Elle fut des plus soudaines, même si, je m'en rendis compte après coup, certaines visions fugaces, miroitantes qui s'étaient manifestées plusieurs heures auparavant, un chaos d'images qui me perturba d'autant plus qu'il était sans précédent, devait en avoir été les signes annonciateurs. J'avais une forte migraine et l'impression bizarre, et pour moi totalement nouvelle, que quelqu'un cherchait à s'emparer de mon esprit. Je m'effondrais aux alentours de 10h20 du matin, alors que je donnais un cours « Économie politique 6, histoire et tendance actuelle de l'économie » À mes étudiants de troisième année et à une poignée d'autres de deuxième année. Je vis tout d'abord des formes étranges flotter sous mes yeux, et j'eus l'impression de me trouver dans quelque lieu grotesque, bien différent de ma salle de classe. Puis je perdis le fil de mes pensées et m'éloignais de mon sujet, et mes étudiants comprirent qu'il se passait quelque chose de grave. Enfin, je perdis connaissance et m'écroulai sur ma chaise, dans un état d'hébétude auquel nul ne put m'arracher. En fait, je ne devais revoir de mes propres yeux la lumière du jour de notre monde normal qu'au terme de cinq ans, quatre mois et treize jours. Ce sont les autres, bien sûr, qui m'apprirent la suite des événements. Je demeurai inconscient pendant seize heures et demie bien que l'on m'eût transporté à mon domicile, au 27 Crane Street, où l'on me prodigua d'excellents soins médicaux. Le 15 mai, à 3 heures du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis enfin à parler. Malheureusement, les médecins et ma famille furent rapidement épouvantés par mes paroles et par le flot de mon élocution. De toute évidence, je n'avais plus aucun souvenir de mon identité ni de mon passé, même si, pour une raison inconnue, je paraissais désireux de dissimuler cette ignorance. Je regardais bizarrement les personnes de mon entourage, et le jeu de mes muscles faciaux n'avait plus rien de familier. Même mon élocution sonnait faux, comme si un étranger s'exprimait par ma bouche. J'utilisais mes organes vocaux avec autant de maladresse que d'effort, et ma diction semblait curieusement empruntée, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans des livres. Ma prononciation était étrangement barbare, et ma langue un panache de curieux archaïsmes et d'expressions d'une tournure rigoureusement incompréhensible. Vingt ans plus tard, le plus jeune de mes médecins devait d'ailleurs se souvenir de l'une d'elles de manière particulièrement frappante, sinon terrifiante. Car à cette époque, la dite expression commençait à être fréquemment employée, d'abord en Angleterre, ensuite aux États-Unis. Or, bien que fort complexe et d'une incontestable nouveauté, elle était la copie conforme des troublantes paroles de l'étrange patient d'Arkham de 1908 mes forces physiques me revinrent aussitôt, ce qui ne m'empêcha pas d'avoir besoin d'une rééducation singulièrement longue pour recouvrer l'usage de mes mains, de mes jambes et de mon corps en général. Pour ce motif, et en raison de plusieurs autres handicaps relatifs à mes trous de mémoire, on me maintint sous étroite surveillance médicale pendant un certain temps. Lorsque j'eus constaté l'échec de mes efforts visant à dissimuler mon amnésie, je la reconnus ouvertement et me montrais avide d'informations de toutes sortes. En fait, les médecins eurent l'impression que je me désintéressais totalement de ma véritable personnalité dès l'instant où je m'aperçus que ma perte de mémoire était reconnue comme accidentelle. Ils remarquèrent que je m'efforçais surtout de maîtriser certains points d'histoire, de science, d'art, de langage et de folklore, les uns épouvantablement abstrus, les autres d'une simplicité enfantine qui ne m'étaient pas revenus à l'esprit assez inexplicablement pour la plupart d'entre eux. En même temps, ils remarquèrent que je maîtrisais parfaitement et inexplicablement bon nombre de sujets, pour la plupart inconnus, et que je paraissais désireux de cacher ce savoir plutôt que l'étaler. Il m'arrivait par mes gardes de faire allusion, avec une assurance désinvolte, à certains événements bien précis s'étant déroulés en d'obscures périodes de l'histoire situées en dehors de celles communément admises, et de faire passer ces diverses allusions pour des plaisanteries lorsque je voyais la surprise qu'elles suscitaient. Quant à l'avenir, j'en parlais d'une telle manière que cela déclencha, à deux ou trois reprises, une véritable terreur. Mais ces mystérieux éclairs de connaissances cessèrent vite de se manifester, même si certains observateurs attribuèrent leur disparition à quelque hypocrite prudence de ma part plutôt qu'au déclin du savoir étrange qui les sous-tendait. En fait, je semblais anormalement avide d'assimiler le langage, les mœurs et les façons de voir de mon époque, tel un studieux voyageur débarqué d'une contrée lointaine. Dès que ce fut permis, je me remis à hanter à toute heure de la journée la bibliothèque de l'université et commençai rapidement d'organiser ces étranges voyages qui devaient me permettre d'aller suivre ces singuliers cursus dans diverses universités d'Amérique et d'Europe, qui suscitèrent tant de commentaires au cours des années qui suivirent. Je demeurais toujours en contact avec de nombreux érudits, car mon cas m'avait valu une relative célébrité chez les psychologues de l'époque. Je fus l'objet de plusieurs conférences où l'on me présenta comme un exemple typique de personnalité secondaire, même s'il m'arrivait parfois de déconcerter certains conférenciers par quelques symptômes bizarres ou singulières traces d'ironie soigneusement voilées. Toutefois, je ne suscitais guère la sympathie. Quelque chose dans mon aspect, et dans ma façon de parler semblait éveiller chez tous ceux qui me rencontraient de vagues craintes et aversions comme si j'avais été un être aux antipodes de tout ce qui est normal et sain cette impression d'obscure et secrète abomination issue de quelqu'un comme mensurable gouffre situé à Dieu sait quelle distance de nous était singulièrement répandue et tenace ma propre famille ne fit pas exception Dès l'instant de mon étrange réveil, ma femme m'avait considéré avec une répugnance et dégoût extrême, jurant à qui voulait l'entendre que j'étais un parfait étranger usurpant le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce, mais elle ne consentit jamais à me revoir, même après mon retour à la normale en 1913. Ces sentiments furent partagés par mon fils aîné et par ma petite fille, que je ne revis jamais ni l'un ni l'autre. Seul mon second fils, Wingate, parut capable de surmonter l'horreur et le dégoût suscités par ma métamorphose. Lui aussi sentait bien que j'étais un étranger, mais quoiqu'il n'eût pas plus de huit ans, il croyait fermement au retour de ma véritable personnalité. Quand elle finit par revenir, Wingate se rapprocha de moi et les tribunaux le confièrent à ma garde. Au cours des années qui suivirent, il m'assista dans les recherches que je fus amené à entreprendre et aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à Miskatonik. Cela dit, je m'explique tout à fait l'horreur que j'inspirais alors car l'esprit, la voix et les expressions faciales de l'être qui s'était éveillé le 15 mai 1908 n'étaient absolument pas ceux de Nathaniel Wingate Peasley. Je passerai rapidement sur les détails de ma vie de 1908 à 1913, car les lecteurs peuvent englaner les principaux éléments, comme j'ai dû largement le faire moi-même, dans les archives des vieux quotidiens et revues scientifiques. On me laissa l'usage de mes fonds, que je dépensais lentement et forçagement à voyager et étudier dans divers centres du savoir. Cependant, mes voyages furent des plus singuliers et comprirent de longs séjours dans des endroits lointains et déserts. En 1909, je passai un mois dans l'Himalaya. En 1911, je suscitais un vif intérêt en entreprenant de me rendre à dos de chameau dans les déserts inconnus d'Arabie. Qu'arriva-t-il au cours de ces voyages Je n'ai jamais réussi à l'apprendre. Durant l'été 1912, j'affrêtai un navire et fis voile vers l'Arctique, au nord du Spitzberg, dont je revins manifestement déçu. Plus tard, au cours de cette même année, je demeurai plusieurs semaines, seul, au-delà des limites de toute exploration passée ou future, dans le vaste réseau de cavernes calcaires de la Virginie occidentale, de sombres labyrinthes, d'une complexité telle qu'elle rendait inenvisageable toute reconstitution de mon parcours. Mes séjours universitaires furent caractérisés par une rapidité d'assimilation prodigieuse, comme si la personnalité secondaire possédait une intelligence incroyablement supérieure à la mienne. Je me suis également aperçu que je passais un temps phénoménal à m'isoler pour lire et étudier. Il me suffisait d'un simple petit coup d'œil pour maîtriser à fond les livres dont je tournais les pages à toute allure. De même, la facilité avec laquelle je résolvais en un instant des équations compliquées était véritablement stupéfiante de nombreuses rumeurs, presque insultantes, circulèrent régulièrement sur ma capacité à influencer les pensées et les actes d'autrui, bien que, semble t-il, je me sois appliqué à ne pas en faire étalage. D'autres rumeurs, tout aussi peu reluisantes, firent état de mes rapports privilégiés avec des chefs de sociétés occultes, ou des savants soupçonnés de collusion avec des bandes innommables d'odieux hiérophantes du monde antédiluvien. Bien que nul ne pût les confirmer à cette époque, ces rumeurs furent certainement encouragées par ce que l'on savait de la teneur de mes lectures, car il est impossible de garder secrète la consultation de livres rares dans une bibliothèque. Il existe des preuves matérielles... Plusieurs notes en marge des ouvrages consultés, que j'ai minutieusement étudié des opus tels que le Culte des Goules du comte d'Erlet, le De Vermis Mysteris de Ludwig Prin, le Unausprechlichen Kulten de von Junst, les ultimes fragments du déconcertant livre d'Aibon, et l'effroyable Necronomicon de l'arabe fou Abdul Al-Azred. En outre, il est indéniable que les activités maléfiques des cultes clandestins connurent un second souffle au moment de ma singulière métamorphose. Au cours de l'été 1913, je commençai à manifester des signes d'indifférence et d'ennui, et laissai entendre à certains collègues qu'il ne faudrait pas s'étonner si un changement se produisait bientôt en moi. Je mentionnais le retour de souvenirs de ma précédente existence. Ce qui n'empêcha pas la plupart de mes interlocuteurs de mettre en doute ma sincérité, car les souvenirs que j'évoquais étaient tous banals et susceptibles d'avoir été tirés de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je retournai à Arkham et rouvris ma maison de Crane Street, depuis longtemps fermée. Là, j'installais une bien étrange machine, Constitué de pièces détachées fabriquées par différents constructeurs de matériel scientifique en Europe et en Amérique. Une machine que je pris soin de dissimuler aux yeux de toute personne suffisamment intelligente pour pouvoir l'étudier. Ceux qui l'ont aperçu, un ouvrier, une domestique et la nouvelle gouvernante, prétendirent qu'il s'agissait d'un curieux assemblage de baguettes, de roues et de miroirs, et qui pourtant ne faisait pas plus de deux pieds de haut. Pour un de large et un d'épaisseur. Le miroir central était rond et convexe. Tout cela a été confirmé par les différents fabricants de pièces que l'on a pu retrouver. Dans la soirée du vendredi 26 septembre, je donnais congé à la gouvernante et la femme de chambre jusqu'au lendemain midi. Des lumières brûlèrent dans la maison jusque tard dans la nuit. Et un homme maigre, basané et ressemblant curieusement à un étranger, arriva en automobile. Vers une heure du matin, les lumières s'éteignirent. À deux heures et quart, un agent de police constata que la maison était plongée dans le noir, mais que la voiture de l'étranger était toujours garée le long du trottoir. À quatre heures du matin, le véhicule était manifestement parti. Il était six heures du matin lorsqu'une voix hésitante, étrangère, demanda par téléphone au docteur Wilson de venir chez moi afin de me tirer d'un étrange évanouissement. On découvrit plus tard que cet appel, à longue distance, avait été passé depuis une cabine publique à la gare du nord de Boston, mais on ne retrouva jamais aucune trace du maigre étranger. Quand le médecin arriva chez moi, il me trouva évanoui au salon, assis dans un fauteuil rembourré dont on avait rapproché une table. La surface polie de la table était bizarrement rayée, comme si on y avait posé un objet lourd. La curieuse machine avait disparu, et l'on n'en entendit plus jamais parler. De toute évidence, le maigre étranger basané l'avait emporté. Dans l'âtre de la bibliothèque, un épais tas de cendres témoignait du fait qu'on y avait brûlé jusqu'au plus petit bout de papier tout ce que j'avais écrit depuis le début de mon amnésie. Le docteur Wilson jugea ma respiration particulièrement anormale. Mais après une piqûre hypodermique, elle devint plus régulière. À onze heures et quart du matin, le 27 septembre, je montrais des signes d'agitation fébrile, et mon visage, qui jusque-là ressemblait à un masque, sortit enfin de sa torpeur. Le docteur Wilson constata que mon expression n'était pas celle de ma personnalité secondaire, mais plutôt celle de mon moi normal. Vers onze heures trente, je marmonnais quelques syllabes fort singulières, qui ne semblait appartenir à aucun langage humain. Il sembla également que je luttais contre quelque chose. Puis, sitôt après-midi, entre-temps la gouvernante et la femme de chambre étaient revenues, je me mis à bafouiller en anglais. Parmi les économistes orthodoxes de cette période, Jevons incarne la principale tendance visant à établir des corrélations scientifiques. Sa tentative de relier le cycle commercial de la prospérité et de la dépression au cycle physique. Nathanael Wingate-Peasley était de retour, et à l'échelle du temps de cet esprit, nous étions toujours ce jeudi matin de 1908 où sa classe d'économie levait les yeux vers le vieux bureau de l'estrade. L'adaptation à la vie normale fut un processus douloureux et difficile. La perte de cinq années entraîne plus de problèmes qu'on ne saurait l'imaginer, et dans mon cas il y avait un nombre incommensurable de questions à régler. Ce que j'appris de mes faits et gestes depuis 1908 m'étonna et me troubla au plus haut point, ce qui ne m'empêcha pas de prendre tout cela avec autant de stoïcisme que possible. Ayant enfin récupéré la garde de mon second fils, Wingate, je m'installai avec lui dans la maison de Crane Street et décidai de me remettre à enseigner, l'université m'ayant généreusement offert de récupérer mon ancienne chair. Je repris le travail durant le trimestre de février 1914 pour m'arrêter au bout d'un an. À ce moment-là, je m'étais rendu compte que j'avais été profondément ébranlé par toute cette épreuve. Bien que parfaitement sain d'esprit, du moins l'espérais je, et ayant retrouvé l'intégralité de ma personnalité originelle, mes nerfs n'étaient plus aussi solides qu'autrefois. J'étais sans cesse hanté par des rêves confus et des idées bizarres, et lorsque le début de la guerre mondiale éveilla mon intérêt pour l'histoire, ce fut pour m'apercevoir que je portais un bien étrange regard sur les époques et les événements. Ma conception du temps, ma capacité à distinguer entre simultanéité et consécution, semblait subtilement altérée. J'en arrivais même à nourrir des idées chimériques sur les possibilités de vivre à une certaine époque et d'être capable de projeter son esprit à travers l'éternité pour connaître les siècles passés et futurs. La guerre me laissa la curieuse sensation de me souvenir de certaines de ses conséquences lointaines, comme si j'avais su la tournure qu'elle allait prendre et pouvais la regarder rétrospectivement, à la lumière d'informations à venir. Toutes ces pseudo-réminiscences se doublaient d'une intense souffrance et du sentiment qu'une sorte de barrière psychologique artificielle avait été dressée entre eux et moi. Lorsque je me risquais maladroitement à faire part de mes impressions, je suscitais diverses réactions. Certaines personnes me regardaient d'un air inquiet, tandis que mes collègues du département des mathématiques évoquaient les derniers développements de cette théorie de la relativité que seule une poignée de cercles érudits évoquait alors et qui devait plus tard devenir si célèbre. Le docteur Albert Einstein disait-il, allait vite réduire le temps à l'état de simple dimension. Mais je fus submergé par un tel flot de rêves et de sensations étranges que je fus contraint d'abandonner mes cours en 1915. Ces impressions étaient parfois extrêmement troublantes, et je ne pouvais me défaire de l'idée que mon amnésie masquait quelque échange sacrilège comme si la personnalité secondaire avait bien été celle d'un envahisseur arrivé de contrées inconnues, tandis que ma propre personnalité avait été déplacée ailleurs, contre son gré. Je fus ainsi conduite à échafauder de vagues et terrifiantes hypothèses sur ce qu'avait pu subir mon véritable moi durant ces années où un autre avait occupé mon corps. La curieuse érudition et les excentricités de l'ancien occupant de mon corps me troublèrent de plus en plus à mesure que les journaux, les magazines ou des gens m'apprenaient de nouveaux détails. Ces bizarreries, qui avaient déconcerté tellement de monde, semblaient s'harmoniser terriblement avec cet arrière-plan de science occulte enfoui dans les failles de mon inconscient. Je me mis alors à traquer fiévreusement les moindres renseignements relatifs aux études et aux voyages que cet autre avait entrepris durant ces années sombres. Mes soucis étaient parfois beaucoup plus prégnants, car mes rêves gagnaient chaque jour en détails et en réalisme. Sachant fort bien ce que la plupart des gens en penseraient, je n'en parlais généralement qu'à mon fils ou à certains psychologues de confiance mais décidait finalement d'étudier scientifiquement les cas similaires afin de voir si ces visions étaient typiques ou non des victimes d'amnésie. Mes conclusions, auxquelles je parvins avec l'aide d'éminents psychologues, historiens, anthropologues et spécialistes des questions mentales, et après avoir passé en revue tous les cas identifiés de dédoublement de la personnalité, depuis l'époque des légendes de possession démoniaque jusqu'aux réalités médicales modernes, me causèrent tout d'abord plus d'angoisse que de soulagement. Je m'aperçus très vite que mes rêves n'avaient, en effet, aucun équivalent dans la masse considérable des cas d'amnésie avérés. Demeurait, cependant, une poignée de cas dont le degré de similitude avec ma propre expérience m'intrigua et me bouleversa pendant de nombreuses années. Certains d'entre eux n'étaient que des fragments d'un ancien folklore, d'autres des cas répertoriés dans les annales de la médecine, un ou deux des anecdotes enfouies au creux des classiques de l'histoire. Ma forme particulière d'affliction semblait donc prodigieusement rare, même si certains exemples s'en étaient présentés à de longs intervalles depuis le début des chroniques de l'humanité. Certains siècles en comptaient un, deux ou trois, d'autres aucun, ou du moins aucun dont le souvenir nous fût parvenu. C'était pour l'essentiel toujours la même chose. Une personne à l'esprit réfléchi et pénétrant développait une étrange personnalité secondaire, et pendant plus ou moins de temps, se mettait à vivre une vie radicalement différente de la précédente, caractérisée tout d'abord par des difficultés d'élocution ainsi qu'à se mouvoir, puis par l'acquisition systématique de connaissances scientifiques, historiques, artistiques et anthropologiques, acquisition menée tambour battant avec une faculté d'assimilation proprement hallucinante. S'ensuivait un brusque retour de la conscience légitime, qui se trouvait alors régulièrement tourmentée, et jusqu'à sa mort par toutes sortes de rêves vagues et imprécis suggérant des fragments de choses effroyables dont les souvenirs avaient été soigneusement effacés. Or l'étroite ressemblance de ces cauchemars avec les miens, parfois dans les moindres détails, ne me permettait pas de douter de leur nature manifestement exemplaire. Un ou deux de ces cas se doublaient d'une vague aura de familiarité sacrilège, comme si j'en avais entendu parler par le biais de quelques canal cosmiques trop morbides et effrayants pour être envisagés. Trois autres mentionnaient clairement une mystérieuse machine identique à celle vue chez moi avant la seconde métamorphose. Je fus également profondément affecté au cours de mes recherches par le nombre de cas encore plus importants où certaines personnes ne souffrant pas d'un type précis d'amnésie, avaient eu un bref et fugitif aperçu de ces mêmes cauchemars. Le plus souvent, ces personnes étaient au mieux d'intelligence médiocre, certaines étaient si primitives que l'on voyait difficilement comment elles auraient pu servir de véhicule pour acquérir un savoir prodigieux ou développer des facultés mentales surnaturelles. Pendant une seconde, elles étaient animées par une force étrangère. Puis retrouvaient brusquement leur état premier lorsque se dissipait une horrible brume de souvenirs inhumains. Au moins trois de ces cas s'étaient produits au cours du dernier demi-siècle, dont un seulement quinze ans plus tôt. Quelque chose s'était-il mise à tâtonner dans l'abîme du temps depuis quelques gouffres insoupçonné de la nature? Ces malaises correspondaient-ils à de monstrueuses et sinistres expériences dont la nature et l'auteur ne pouvaient être appréhendées par la raison Telles étaient quelques-unes des vagues hypothèses que je formulais lors de mes dépressions, des chimères étayées par les mythes que mes recherches mettaient au jour car je ne doutais pas que certaines légendes persistantes d'une antiquité immémoriale, apparemment inconnues des victimes et des médecins impliqués dans les récents cas d'amnésie, étaient en fait le fruit de pertes de mémoire identiques à la mienne. Quant à la nature du tumultueux flot de rêves et de sensations qui m'assaillait alors, j'ai toujours aussi peur d'en parler. C'était un flot matiné de folie, et à certains moments je crus en effet devenir fou. S'agissait il d'un type particulier d'hallucination frappant les victimes d'amnésie? Les efforts du subconscient pour combler par des pseudo-réminiscences un vide déconcertant pouvaient effectivement donner naissance à d'étranges caprices de l'imagination. C'était d'ailleurs, même si cette autre hypothèse, relevant du folklore, me semblait finalement plus plausible, L'opinion de la plupart des aliénistes qui m'aidèrent à chercher des cas identicomiens et qui furent aussi déconcertés que moi par le degré de ressemblance observé. Selon eux, cet état ne relevait pas à proprement parler de la folie. Eux le classaient plutôt parmi les cas de désordre mentaux. Mes efforts pour l'analyser et en identifier l'origine, au lieu de chercher en vain à tout nier et oublier en bloc, furent chaleureusement accueillis par eux comme conformes aux meilleurs principes psychologiques. J'appréciais plus particulièrement les conseils des médecins qui m'avaient examiné au cours de ma possession par l'autre personnalité. Mes premiers troubles ne furent absolument pas de nature visuelle, mais portaient sur les questions plus théoriques ci-dessus mentionnées. Ils s'accompagnaient également d'un profond et inexplicable sentiment d'horreur envers moi même, je me mis, bizarrement, à redouter de voir ma propre silhouette, comme si mes yeux lui trouvaient un je ne sais quoi d'étranger et de mystérieusement répugnant. Lorsque je baissais les yeux vers mon corps d'être humain et voyais ma silhouette familière habillée d'un apaisant costume gris ou bleu, j'éprouvais invariablement un curieux soulagement, même s'il me fallait pour l'obtenir surmonter une terreur infinie j'évitais le plus possible les miroirs et me faisais toujours raser chez le coiffeur. Il me fallut beaucoup de temps pour établir le lien entre ces sentiments contrariés et les visions fugitives qui commençaient à m'assaillir. Le premier rapprochement de ce genre se rapporta à cette étrange sensation qu'une contrainte extérieure artificielle pesait sur ma mémoire. Je compris que les images qu'il m'arrivait d'entrevoir était chargée d'une profonde et funeste signification, et qu'elle m'était sinistrement reliée, mais qu'une entrave mystérieuse m'empêchait de saisir la nature de ce sens et de ce lien. Puis vint cette bizarre conception du temps, et avec elle mes efforts désespérés pour situer ces fugaces fragments oniriques sur le plan chronologique et spatial. Mes premières visions furent tout d'abord plus étranges qu'effrayantes comme si je m'étais trouvé dans une immense salle voûtée dont les hautes arêtes de pierre se perdaient dans les ombres du plafond. Quelle que fût l'époque ou le lieu où cette scène se déroulait, le principe de l'arche était aussi connu et couramment utilisé qu'au temps des Romains. Il y avait de colossales fenêtres rondes, de hautes portes voûtées et des sortes de piédestaux ou de tables aussi grands qu'une pièce ordinaire. Les murs étaient garnis de vastes étagères de bois sombre, où étaient rangés ce qui ressemblait à d'immenses volumes au dos couverts d'étranges hiéroglyphes. La pierre apparente était ornée de curieux bas-reliefs en forme de motifs mathématiques curvilignes, où se trouvaient ciselées des inscriptions reproduisant les mêmes caractères que ceux des énormes volumes. La sombre maçonnerie de granit était d'un type mégalithique monstrueux, où des rangées de blocs au sommet convexe venaient s'encastrer dans la base concave des blocs posés au-dessus d'eux. Il n'y avait pas de chaises, mais le dessus des vastes piédestaux était jonché de livres, de papiers et d'objets ressemblant à du matériel d'écriture, des jarres de métal violacés bizarrement décorés et des baguettes à la pointe tachée aussi démesurés que fussent ces piédestaux il me semblait parfois les voir d'en haut sur certains d'entre eux se trouvaient de grands globes de cristal lumineux faisant office de lampes ainsi que d'énigmatiques machines constituées de tubes vitreux et de tiges métalliques les fenêtres étaient vitrées et trahissées de solides barreaux bien que n'osant pas m'en approcher pour regarder de l'autre côté je pouvais voir, de l'endroit où je me tenais, les cimes ondoyantes de curieuses plantes ressemblant à des fougères. Le sol était fait de lourdes dalles octogonales. Par ailleurs, il n'y avait absolument aucun tapis ni tenture. Plus tard, je me vis parcourir des corridors cyclopéens de pierre, puis monter ou descendre de gigantesques plans inclinés de la même monstrueuse maçonnerie. Il n'y avait jamais d'escalier. De même, les couloirs ne mesuraient jamais moins de trente pieds de large. Certains des édifices que je traversais en flottant devaient s'élancer à plusieurs milliers de pieds dans le ciel. Le sous-sol était une succession de plusieurs étages de sombres caveaux, où des trappes jamais ouvertes, scellées par des bandes métalliques, suggéraient un vague et terrible danger. On aurait dit que j'étais prisonnier, et tout ce que je voyais exsudait une horreur sacrilège. Je sentais que les hiéroglyphes curvilignes qui me narguaient depuis les murs auraient pu m'anéantir si je n'avais pas été protégé par une bienheureuse ignorance. Plus tard encore, mes rêves me montrèrent des perspectives entrevues soit depuis les grandes fenêtres rondes, soit depuis le sommet du titanesque toit plat, avec ses curieux jardins, son immense étendue vide et ses hauts parapets de pierres festonnées, où menaient les plans inclinés des étages supérieurs. De gigantesques bâtiments, tout ce sein d'un jardin, s'étendaient quasiment à perte de vue sur plusieurs lieux de routes pavées faisant au moins 200 pieds de large. Ils étaient d'aspect très divers, mais une infime minorité occupait moins de 500 pieds carrés ou mesurait moins de 1000 pieds de haut. Beaucoup étaient si démesurés que leur façade devait avoir plusieurs milliers de pieds de hauteur, tandis que certains s'élançaient à une altitude himalayenne dans les brumes d'un ciel gris apparemment constitués pour l'essentiel de pierre ou de béton, la plupart de ces édifices exaltaient le type même de maçonnerie bizarrement curviligne qui caractérisait mon lieu de détention. Les toits étaient plats et semés de jardins, souvent bordés de parapets festonnés. On y voyait aussi parfois des terrasses ou de nouveaux étages. D'immenses espaces vides s'ouvraient fréquemment au milieu des jardins. Il me sembla remarquer du mouvement sur certaines grandes routes, mais mes premières visions n'étaient pas assez précises pour me permettre de confirmer cette impression. J'apercevais également quelque énorme tour sombre de forme cylindrique qui s'élançait loin au dessus des autres édifices. Radicalement uniques en leur genre, elles présentaient les signes d'une antiquité et d'un délabrement prodigieux bizarrement édifiés avec des blocs de basalte taillés à l'équerre, leurs sommets arrondis étaient plus étroits que la base. Hormis quelques énormes portes, on n'y distinguait pas la moindre trace de fenêtre ou autre sorte d'ouverture. Je remarquais aussi quelques bâtiments moins élevés, que plusieurs siècles d'intempéries avaient tous abîmés, construits selon les mêmes principes architecturaux que les sombres tours cylindriques. De tout cet amoncellement délirant de maçonnerie à angle droit, sourdait une inexplicable aura de menaces et de peurs intenses, semblable à celle exudée par les trappes scellées. Omniprésents, les jardins étaient d'une étrangeté presque terrifiante et croulaient sous une végétation bizarre et insolite, ombrageant de larges allées bordées de monolithes curieusement sculptés. Cette végétation était, pour l'essentiel, constituée d'espèces de fougères anormalement surdéveloppées, les unes vertes, les autres d'une pâleur spectrale, fongoïde. Parmi elles se dressaient de grandes silhouettes fantomatiques, sortes de calamites dont les troncs semblables à des bambous s'élançaient à des hauteurs extraordinaires. On voyait également des formes touffues ressemblant à de fabuleux cicas, ainsi que de grotesques arbres et arbustes verts sombres, probablement des conifères. Les fleurs, petites et incolores, n'évoquaient rien de connu et s'épanouissaient en parterre géométrique ou en toute liberté dans la verdure. Quelques uns des jardins en terrasse ou au sommet des bâtiments abritaient des fleurs plus grandes et plus colorées dont leur forme presque repoussante semblait avoir été obtenue par hybridation des fongus aux dimensions contours et couleurs inconcevables émaillaient le paysage selon des motifs trahissant une tradition horticole inconnue mais bien établie les plus grands jardins au niveau du sol paraissaient avoir été l'objet de soins visant à préserver les caprices de la nature tandis que sur les toits sélectivité et art topiaire étaient manifestes le ciel était presque toujours pluvieux et couvert de nuages, et, semble t-il, j'assistais plus d'une fois à des pluies torrentielles. De temps à autre, cependant, le soleil, qui paraissait anormalement grand, et la lune, dont les taches étaient empreintes d'un je ne sais quoi de singulier que je ne parvins jamais à cerner, faisaient une timide apparition. Quand, très rarement, le ciel nocturne était d'une clarté immaculée, j'entrevoyais des constellations à peine reconnaissables. Et s'il m'arrivait d'y repérer certains contours familiers, c'était rarement tout à fait les mêmes que ceux auxquels nous sommes habitués. Enfin, à en juger par la position des rares groupes d'étoiles que je pus reconnaître, il me sembla que je devais me trouver dans l'hémisphère sud de la Terre, près du tropique du Capricorne. L'horizon lointain était toujours voilé par la brume, mais j'arrivais à discerner aux abords de la cité d'immenses jungles de fougères arborescentes inconnues, de calamites, de lépidodendrons et de sigillaires dont les frondaisons fantastiques se balançaient railleuses dans les vapeurs mouvantes. Il me sembla parfois deviner des mouvements dans le ciel, mais si c'était le cas, mes premières visions ne le précisèrent jamais. Au début de l'automne 1914, je fis quelques rêves où je flottais bizarrement au-dessus de la cité et des régions environnantes. Je vis alors des routes interminables traverser des forêts d'horribles végétaux aux troncs tachetés, striés et rayés, ou longer d'autres cités aussi étranges que celles qui ne cessaient de me hanter. Je vis de monstrueuses constructions de pierres noires ou iridescentes se dresser dans des trouées ou des clairières où régnait un crépuscule perpétuel. Je parcourus de longues chaussées traversant des marécages si sombres que c'était à peine si j'arrivais à distinguer leur moite et imposante végétation. Une fois, je vis une étendue sans bornes semée de ruines basaltiques arasées par le temps et dont l'architecture évoquait les quelques tours sans fenêtres et au sommet arrondi de la ville obsédante. Une autre fois, je vis la mer. Elle s'étendait à perte de vue, vaporeuse, par-delà les jetées de pierres colossales d'une gigantesque ville hérissée d'arches et de dômes. On aurait dit que de grandes ombres informes se déplaçaient au-dessus des flots et des excroissances insolites venaient parfois en crever la surface. Comme je l'ai dit, ces visions débridées ne revêtirent pas immédiatement leur caractère terrifiant. Il est incontestable que de nombreuses personnes ont rêvé de choses en soi plus étranges, Agrégat de fragments épars de la vie quotidienne, d'images et de lectures réarrangées par les caprices incontrôlés du sommeil, selon des formes fantastiquement nouvelles. Pendant un certain temps, je considérais ces visions comme naturelles, même si je n'avais jamais été jusque-là un rêveur extravagant. La plupart de ces mystérieuses anomalies, me disais-je, devaient être issus de sources banales trop nombreuses pour être identifiées. D’autres, cependant, paraissaient être le reflet de simples lectures sur les plantes et autres éléments caractéristiques du monde primitif, 150 millions d’années auparavant, le monde de l’âge permien ou triasique. Toutefois, au bout de quelques mois, leur caractère terrifiant se manifesta avec une intensité croissante. Cela se produisit au moment où les rêves se mirent nettement à ressembler à des souvenirs, et lorsque mon esprit entreprit de les relier à ces angoisses indéterminées dont je souffrais de plus en plus terriblement, cette impression de mémoire entravée, ma curieuse conception du temps, ce sentiment d'un détestable échange avec ma personnalité seconde de 1908, 1913, et puis, beaucoup plus tard, cette inexplicable aversion envers moi-même. À mesure que certains détails précis s'immissaient dans mes rêves, ceux-ci devinrent mille fois plus horribles, au point que, en octobre 1915, je sus qu'il me fallait agir. Je me plongeais alors à corps perdu dans l'étude de tous les autres cas de vision et d'amnésie, dans l'intention d'extérioriser mon trouble et de me libérer de son emprise émotionnelle. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, je commençais d'abord par obtenir l'inverse du résultat recherché. Découvrir que d'autres avaient fait les mêmes rêves que moi me perturba profondément, d'autant plus que certains témoignages étaient trop anciens pour que l'on pût prêter à leur auteur la moindre connaissance en géographie, et par conséquent la moindre idée de ce à quoi ressemblait un paysage préhistorique sans compter que plusieurs témoignages regorgeaient de détails et d'explications plus atroces les uns que les autres sur, entre autres, les immenses bâtiments et les jardins exubérants de mes visions. Ces images, mêlées d'impressions diffuses, étaient déjà suffisamment horribles en tant que telles, mais ce que certains autres rêveurs suggéraient ou affirmaient relevait souvent de la folie ou du blasphème. Pire, cela suscitait chez moi des pseudo-réminiscences de plus en plus délirantes, doublées de pressentiments de révélations imminentes. Ce qui n'empêchait pas la plupart des médecins de juger ma démarche dans l'ensemble fort louable. Je me plongeais dans l'étude systématique de la psychologie et, m'emboîtant le pas, mon fils Wingate fit de même ce qui le conduisit, pour finir, à occuper sa chair actuelle. En 1917 et 1918, je suivis des cours spéciaux à Miskatonic. Entre-temps, j'étudiais sans relâche la documentation médicale, historique et anthropologique, ce qui impliquait de nombreux voyages vers de lointaines bibliothèques et m'amena même à lire ces épouvantables livres pleins d'un antique savoir interdit pour lesquels ma personnalité seconde semblait avoir manifesté un intérêt si troublant certains de ces ouvrages étaient ceux là même que j'avais consultés au cours de ma métamorphose, et je fus bouleversé de découvrir à l'intérieur de ces hideux volumes certaines annotations et corrections ostensibles du texte dans une écriture et des termes qui semblaient receler un je ne sais quoi d'étrangement inhumain. La plupart étaient rédigés dans les langues respectives des divers opus, langue que la semblait maîtriser parfaitement, quoique de manière académique. Cependant, l'une des notes griffonnées dans les marges du « Unausprächlichen Kulten » de von Junst était singulièrement troublante. Il s'agissait de hiéroglyphes curvilignes écrits de la même encre que les corrections en allemand, mais ne correspondant à aucun modèle humain connu. Or, ces hiéroglyphes étaient étroitement et incontestablement apparentés aux caractères que je voyais constamment dans mes rêves, caractères dont il me semblait parfois, de manière fugace, être à deux doigts de connaître ou me rappeler la signification. Pour noircir un peu plus la nuit où je me débattais, les bibliothécaires que je rencontrais m'assurèrent que, à en juger par les dates de consultation des volumes et les fiches portant les noms des lecteurs des titres concernés, toutes ces notes devaient avoir été faites par moi-même dans un état second. Et ce, en dépit du fait que je ne connaissais absolument pas et ne connais toujours pas trois des langues employées. En rapprochant tous ces divers documents, anciens et modernes, anthropologiques et médicaux, j'obtins un mélange relativement cohérent de mythes et d'hallucinations dont l'ampleur et l'exubérance achevèrent de me déconcerter. Seul me réconforta l'extraordinaire antiquité des mythes concernés. Quel savoir perdu avait pu insérer dans ces fables primitives des visions de paysages du paléozoïque ou du mésozoïque? Je n'aurais su l'imaginer, pourtant elle s'y trouvait. Quoi qu'il en fût, ce type précis d'hallucination était bel et bien fondé. Plusieurs cas d'amnésie avaient donc dû donner naissance au modèle mythique général, après quoi l'accumulation de ces délires d'origine mythique devait avoir affecté les personnes souffrant d'amnésie et coloré leur pseudo-réminiscence j'avais moi même lu et entendu parler de tous ces récits primitifs durant mon amnésie, ce que mes recherches attestaient amplement. N'était il pas naturel alors que mes rêves et sensations subjectives fussent colorés et modelés par ce que ma mémoire avait à mon insu conservé de ma métamorphose? Quelques mythes se rattachaient incontestablement à d'autres obscures légendes du monde préhumain, et notamment à ces contes hindous appartenant au folklore des théosophes modernes, où il est question de stupéfiants abîmes du temps. Les mythes primitifs et les hallucinations modernes s'accordaient sur ce point. L'humanité n'est que l'une, et peut-être la moindre, des nombreuses races hautement civilisées et dominantes de la longue et en grande partie méconnue carrière de cette planète. Allez en croire, des créatures aux formes inconcevables avaient érigé des tours jusqu'au ciel et exploré tous les secrets de la nature avant que le premier ancêtre amphibien de l'homme fût sorti de la chaleur des océans, voici 300 millions d'années. Certaines étaient descendues des étoiles, d'autres étaient aussi vieilles que l'univers. D'autres encore s'étaient rapidement développés à partir de germes terrans aussi éloignés des premiers germes de notre cycle de vie que ceux-ci le sont de nous-mêmes. Il était régulièrement fait mention, comme si cela n'avait rien d'extraordinaire, d'échelles de temps de plusieurs milliers de millions d'années et de relations avec d'autres galaxies et univers. En vérité, le temps, dans l'acception humaine du terme, n'existait tout simplement pas. Mais la plupart des légendes et des impressions rapportées avaient trait à une race relativement récente, que son apparence bizarre et compliquée distinguait de toutes les formes de vie connues de la science, et qui s'était éteinte cinquante millions d'années à peine avant l'avènement de l'homme. C'était, précisaient ces légendes, la plus importante de toutes les races car elle seule avait conquis le secret du temps. La faculté qu'avaient ses esprits les plus affûtés de se projeter dans le passé ou l'avenir, fût-ce à travers des gouffres de plusieurs millions d'années, afin d'étudier les cultures de chaque époque, lui avait permis d'apprendre tout ce qui avait un jour été ou serait un jour connu sur Terre. Les hauts faits de cette race devaient donner naissance à tous les prophètes légendaires, y compris ceux de la mythologie humaine. Dans ces immenses bibliothèques s'entassaient plusieurs millions de volumes, illustrés ou non, contenant l'intégralité des annales de la Terre, histoires et descriptions de toutes les espèces qui avaient jamais été ou seraient jamais, accompagnées de la recension systématique de leurs arts, langues, profils psychologiques et hauts faits. Forte de ce savoir multimillénaire, la grande race piochait dans chaque époque et forme de vie les idées, arts et procédés les plus appropriés à sa propre nature et situation. La connaissance du passé, à laquelle la grande race parvenait grâce à une sorte de projection de l'esprit hors du champ des sens connus, était plus difficile à obtenir que celle de l'avenir. Dans ce dernier cas, les méthodes employées étaient à la fois plus simples et plus concrètes. Aidé de l'outillage mécanique adéquat, un esprit pouvait se projeter en avant dans le temps où il se frayait à tâtons un obscur chemin extrasensoriel jusqu'à la période désirée. Ensuite, après quelques tentatives préliminaires, il s'emparait du meilleur représentant qu'il put trouver parmi les formes de vie les plus évoluées de la période visée pénétrait à l'intérieur du cerveau de cet organisme et l'investissait de ses propres vibrations tandis que l'esprit déplacé était projeté en arrière dans le temps, à l'époque de l'usurpateur, où il était confiné dans le corps de ce dernier jusqu'à ce qu'un nouvel échange s'opérât en sens inverse. L'esprit projeté dans le corps de l'organisme de l'avenir se faisait alors passer pour un membre de la race dont il affichait l'apparence extérieure. Et se dépêchait d'apprendre de l'époque choisie tout ce qu'elle recelait en matière d'informations et de techniques. Pendant ce temps, l'esprit déplacé, rejeté en arrière dans le temps, à l'époque et dans le corps de son usurpateur, était aussitôt soumis à une étroite surveillance. On l'empêchait de nuire au corps qu'il occupait, et des interrogateurs patentés lui soutiraient tout son savoir. Il n'était pas rare qu'il fût interrogé dans sa propre langue lorsque de précédentes explorations de l'avenir en avaient rapporté des enregistrements. Si l'esprit était originaire d'un corps dont ceux de la grande race ne pouvaient physiquement reproduire la langue, alors il fabriquait d'ingénieuses machines sur lesquelles la langue étrangère était jouée comme sur un instrument de musique. Ceux de la grande race étaient d'immenses cônes rugueux de dix pieds de haut, dont la tête et certains organes étaient rattachés à des membres extensibles d'un pied d'épaisseur partant de leur sommet. Ils s'exprimaient en faisant cliqueter ou en frottant les énormes pinces ou griffes fixées aux terminaisons de deux de leurs quatre membres, et se mouvaient en dilatant et contractant une couche de substance visqueuse rattachée à leur base de dix pieds de large. Une fois dissipé la stupeur et le ressentiment de l'esprit captif, et s'il était issu d'un corps profondément différent de ceux de la grande race, lorsqu'il n'était plus terrorisé par son insolite forme temporaire, il était autorisé à étudier son nouvel environnement et à éprouver un émerveillement et une sagesse comparables à ceux de son usurpateur. Moyennant certaines précautions, et en échange de menus services, on le laissait parcourir tout ce que le monde comptait de surfaces habitées à bord d'immenses aéronefs, ou dans les gros véhicules ressemblant à des bateaux à propulsion atomique qui sillonnaient les larges avenues. Il était également libre de puiser à sa guise dans les bibliothèques contenant les annales du passé et de l'avenir de la planète. Tout cela aidait nombre d'esprits captifs à accepter leur sort. Car il s'agissait toujours d'esprits curieux, pour lesquels lever le voile sur les mystères cachés de la terre, chapitre clos de passés inconcevables et tourbillons vertigineux d'un avenir comprenant le futur de sa propre époque, constituait toujours, en dépit des horreurs abyssales souvent divulguées, l'expérience suprême de la vie. Parfois, Certains prisonniers étaient autorisés à rencontrer d'autres esprits captifs arrachés à l'avenir, à échanger des idées avec des êtres intelligents qui vivaient ou vivraient une centaine, un millier, voire un million d'années avant ou après leur propre époque. Et tous étaient vivement incités à rédiger un compte-rendu détaillé dans leur propre langue, sur eux-mêmes et leurs époques respectives autant de documents que l'on classait ensuite dans les immenses archives centrales. Il convient d'ajouter qu'il existait une catégorie spéciale, et bien malheureuse, de captifs jouissant d'un plus grand nombre de privilèges que la majorité des prisonniers. Il s'agissait des exilés moribonds et permanents dont les corps, dans l'avenir, étaient tombés sous l'emprise de certains esprits affûtés de la grande race qui, confrontés à la mort, avaient cherché à sauver leurs facultés mentales. Ces exilés mélancoliques étaient moins nombreux que l'on aurait pu s'y attendre, car la longévité de la grande race atténuait son amour de la vie, notamment chez ces esprits supérieurs capables de projection. Ces cas de projection permanente d'esprits antédiluviens explique la plupart des changements durables de personnalités observés dans la suite de l'histoire du monde, y compris celle de l'humanité. En ce qui concerne les cas d'exploration ordinaire, lorsque l'esprit usurpateur avait appris de l'avenir tout ce qu'il voulait savoir, il construisait un appareil identique à celui qui lui avait permis de prendre son envol et inversait le processus de projection. Il se retrouvait alors dans son propre corps, à sa propre époque, tandis que l'esprit jusqu'alors captif regagnait son corps légitime dans l'avenir. C'était seulement lorsque l'un ou l'autre des deux corps était mort durant l'échange que cette restauration devenait impossible. Alors, bien sûr, l'esprit en quête de connaissance devait, à l'instar de ceux qui cherchaient à échapper à la mort, passer sa vie dans un corps étranger de l'avenir. Ou bien l'esprit captif, comme ces malheureux exilés permanents, devait finir ses jours sous la forme et à l'époque révolue de ceux de la grande race. Ce sort était moins horrible quand l'esprit captif appartenait lui aussi à la grande race, une situation qui n'était pas rare, dans la mesure où cette race s'était beaucoup préoccupée de son propre avenir à toutes les périodes de son histoire le nombre d'exilés moribonds permanents de la grande race était fort restreint principalement à cause des terrifiantes peines sanctionnant les déplacements des esprits moribonds vers de futurs esprits de la grande race au moyen de la projection il s'arrangeait pour trouver le moyen d'infliger ces sanctions aux esprits fautifs dans leurs nouveaux corps de l'avenir et il arrivait que de nouveaux échanges fussent effectués sous la contrainte Certaines affaires compliquées de remplacement d'esprits voyageurs ou déjà captifs par d'autres esprits issus de diverses régions du passé avaient été constatées et soigneusement corrigées. Depuis la découverte de la projection mentale, à toutes les époques, une infime mais bien identifiée portion de la population était constituée d'esprits de la grande race issus du passé, en séjours plus ou moins prolongés. Quand un esprit captif d'origine étrangère était renvoyé dans l'avenir vers son propre corps, une hypnose mécanique compliquée le purgeait de tout ce qu'il avait appris à l'époque de la grande race, à cause des conséquences fâcheuses inhérentes au fait de projeter d'importantes quantités de savoir vers l'avenir. Les rares exemples existants de transmission autorisée avaient causé et causeraient à des périodes identifiées de l'avenir d'épouvantables catastrophes. C'était en grande partie dû aux conséquences de deux cas similaires, à en croire les vieux mythes, que l'humanité avait appris ce qu'elle savait de la grande race. Les seules traces matérielles et directes de ce monde séparé d'une autre par plusieurs millions d'années étaient les pierres énormes de certaines ruines dans des sites éloignés ou des fonds sous-marins, et certains passages des terrifiants manuscrits narcotiques ainsi l'esprit captif renvoyé vers sa propre époque ne gardait-il qu'une vision nébuleuse fragmentaire de ce qu'il avait vécu depuis son ravissement tous les souvenirs qui pouvaient être effacés l'étaient si bien que la plupart du temps il ne lui restait plus depuis le moment du premier échange qu'un vide ombré de rêves mais certains esprits se rappelaient plus de choses que d'autres, et le rapprochement fortuit de leurs souvenirs avait parfois déversé sur les temps futurs des aperçus du passé interdit. De tout temps, probablement, des groupes ou des cultes idolâtrèrent en secret certains de ces aperçus. Le Necronomicon évoquait la présence d'un tel culte parmi les hommes culte auquel il arrivait parfois d'aider les esprits à retraverser les éternités de temps qui séparaient leur époque de celle de la grande race. De son côté, la grande race devint presque omnisciente et se prépara à procéder à des échanges avec des esprits d'autres planètes dont elle voulait explorer le passé et l'avenir. De même, elle n'avait pas renoncé à sonder le passé et l'origine de cet obscur globe mort de toute éternité, perdu au fin fond de l'espace, d'où son propre héritage mental était issu, car l'esprit de la grande race était plus vieux que son enveloppe corporelle. Les habitants d'un vieux monde à l'agonie, instruits des ultimes secrets de l'univers, avaient cherché un nouveau monde et de nouvelles espèces susceptibles de prolonger leur vie puis ils avaient procédé à l'exode en masse de leurs esprits vers la race future la plus adaptée à les accueillir, les créatures coniques qui habitaient notre Terre voici un milliard d'années. Ainsi était née la grande race, tandis que les myriades d'esprits renvoyés dans le passé étaient voués à une mort atroce sous une forme étrangère. Plus tard, la race serait encore une fois confrontée à la mort, mais elle y survivrait grâce à une nouvelle migration de ses meilleurs esprits dans les corps d'autres créatures de l'avenir, dotées d'une plus longue existence physique. Tel était le tableau constitué de légendes et d'hallucinations entrelacées. Quand, vers 1920, j'eus enfin donné à mes travaux la forme d'un tout cohérent, je sentis se dissiper l'angoisse que mes recherches avaient commencé par accroître. Après tout, et malgré les chimères engendrées par des émotions indéterminées, la majeure partie de mes symptômes ne s'expliquait-il pas facilement Un hasard quelconque avait dû, au cours de mon amnésie, orienter mon esprit vers l'occultisme, suite à quoi j'avais lu les légendes interdites et rencontré les membres d'anciens et sinistres cultes. Tout cela avait, sans aucun doute, fournit la matière des rêves et des impressions désagréables consécutives au retour de la mémoire. Quant aux annotations en hiéroglyphes oniriques et dans des langues que je ne connaissais pas, mais dont les bibliothécaires m'attribuaient la responsabilité, j'aurais très bien pu acquérir quelques notions de ces langues durant mon état second. Pour ce qui était des hiéroglyphes, mon imagination les avait certainement fabriquées à partir des descriptions contenues dans de vieilles légendes avant de les insérer dans mes rêves. J'essayais de vérifier certains points en m'entretenant avec quelques maîtres de culte ayant pignon sur rue, sans jamais parvenir à renouer tout à fait les fils. Parfois, le parallélisme d'un si grand nombre de cas à des époques si éloignées les unes des autres ne laissait pas de m'angoisser, comme au tout début, ce qui ne m'empêchait pas de me dire que cet exaltant folklore était incontestablement plus répandu dans le passé que dans le présent. Les autres victimes d'amnésie similaire à la mienne devaient très certainement connaître, et depuis fort longtemps, ces légendes que je n'avais découvertes que dans mon état second. Quand ces victimes avaient perdu la mémoire, elles s'étaient identifiées aux créatures dépeintes par leur propre mythe, ces fabuleux envahisseurs réputés déplacer l'esprit des hommes, et s'étaient donc mises en quête d'un savoir qu'elles s'imaginaient pouvoir rapporter à quelque chimérique passé non humain. Puis, ayant recouvré la mémoire, elles avaient inversé le processus identitaire, et, au lieu de se comporter comme les esprits usurpateurs, c'était prise pour les anciens esprits captifs, d'où les rêves et les pseudo-réminiscences bâtis sur le moule mythique habituel. Malgré leur caractère un tantinet alambiqué, ces explications finirent pourtant par l'emporter dans mon esprit sur toutes les autres, surtout parce qu'aucune des théories rivales ne leur arrivait à la cheville. De plus un nombre conséquent d'éminents psychologues et d'anthropologues se rangea progressivement à mon avis. Plus je réfléchissais, plus mon explication me semblait être la bonne, au point que, pour finir, j'en arrivais à me construire un rempart terriblement efficace contre les visions et les impressions qui m'assaillaient sans relâche. Voyais-je la nuit des choses étranges? elles n'étaient que le produit de mes lectures ou de mes entretiens. Me venaient -il ils d'étranges dégoûts, conceptions et pseudo-réminiscences? Ils n'étaient, eux aussi, que des échos de mythes assimilés durant ma métamorphose. Quoi que je rêvasse, quoi que je ressentisse, c'était forcément dénué d'importance. Fort de cette philosophie, ma santé mentale s'améliora considérablement, même si les visions plutôt que les impressions abstraites devenaient de plus en plus fréquentes et d'une netteté troublante. En 1922, me sentant capable de reprendre un travail régulier, je mis en pratique mes connaissances nouvellement acquises en acceptant le poste de maître de conférence associé en psychologie que l'université me proposait. Mon ancienne chaire d'économie politique était depuis longtemps occupée par une personne compétente, sans compter que les méthodes d'enseignement de l'économie avaient beaucoup évolué depuis mon époque. Mon fils venait alors tout juste d'entamer les études supérieures qui devaient le mener au poste de professeur qui l'occupe aujourd'hui, et nous travaillions souvent de concert. Je n'arrêtais cependant pas de coucher soigneusement par écrit les rêves à la fois si exubérants, si denses et si clairs qui faisaient le siège de mes nuits. Tout l'intérêt de ces notes, expliquai-je, était de constituer un formidable témoignage psychologique. Mes visions fugitives ressemblaient toujours horriblement à des souvenirs, même si je luttais contre cette impression avec un indéniable succès. Dans mes notes, je faisais comme si mes chimères étaient des choses vues, mais le reste du temps je les écartais comme autant de voiles d'illusions déposées par la nuit sur mon esprit. Je me gardais bien d'y faire la moindre allusion au cours de mes conversations ordinaires, ce qui n'empêcha pas le bruit de s'en répandre, comme il se doit pour ce genre de choses, suscitant les rumeurs les plus folles sur ma santé mentale. Il est amusant de se dire que ces ragots restèrent circonscrits au cercle des profanes sans qu'un seul médecin ou psychologue ne s'en fit l'écho. Quant aux visions que j'use après 1914, je n'en mentionnerai ici qu'une poignée dans la mesure où des comptes-rendus et des récits plus détaillés sont à la disposition des chercheurs dotés d'un minimum de sérieux. De toute évidence, mes curieuses inhibitions avaient dû s'atténuer au fil du temps, car le champ de mes visions s'élargit considérablement. Cela dit, il s'agissait toujours de fragments décousus, apparemment dénués de signification. Dans mes rêves, donc, il me semblait peu à peu obtenir une liberté de mouvement de plus en plus importante. Je flottais à travers d'étranges bâtiments de pierre, passant de l'un à l'autre en empruntant de gigantesques galeries souterraines qui, semblait il, étaient les voies de communication habituelles. Au niveau le plus bas, il m'arrivait parfois de tomber sur l'une ou l'autre de ces énormes trappes scellées autour desquelles planait une aura particulièrement intense de peur et d'interdit. Je vis de superbes bassins de mosaïques et de salles pleines d'étranges et mystérieux ustensiles d'une variété infinie, puis de titanesques cavernes renfermant des machines compliquées dont l'apparence et l'utilité m'échappaient totalement, et dont je n'entendis le bruit qu'après plusieurs années de rêve. Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que l'ouïe et la vue sont les seuls sens dont je disposais dans ce monde onirique. La véritable horreur commença en mai 1915, lorsque, pour la première fois, je vis des créatures vivantes. C'était avant que mon étude des mythes et de l'historique des cas ne m'eût appris ce à quoi je devais m'attendre. Plus mes barrières mentales s'estompaient, plus je voyais se mouvoir de grandes masses brumeuses en différents endroits des bâtiments et des rues en contrebas. Peu à peu, ces masses gagnèrent en densité et en netteté, jusqu'au moment où j'arrivais à distinguer leurs monstrueux contours avec une inquiétante facilité. On aurait dit, D'énormes cônes iridescents mesurant à peu près dix pieds de haut pour dix de large à la base, constitués d'une substance striée, squameuse et semi-élastique. Quatre membres cylindriques, flexibles, faisant chacun un pied d'épaisseur et constitués de la même substance striée que celle des cônes, partaient de leur sommet. Ses membres se contractaient parfois jusqu'à disparaître presque entièrement, ou s'allongeaient au maximum jusqu'à environ dix pieds. Deux se terminaient par d'énormes griffes ou pinces. Un troisième était pourvu de quatre excroissances rouges en forme de trompette. Le quatrième s'achevait par un globe jaunâtre de forme irrégulière d'environ 2 pieds de diamètre et dont la circonférence centrale était sertie de trois grands yeux noirs. Cette tête était coiffée de quatre minces tiges grises, affublées d'appendices semblables à des fleurs, tandis que huit antennes ou tentacules verdâtres pendaient de sa face inférieure. La large base du cône central était tourlée par une substance grise, caoutchouteuse, qui, en se dilatant et en se contractant, permettent à l'entité de se mouvoir. Leur comportement, bien qu'inoffensif, morrifiait encore plus que leur apparence, car il n'est pas bon de voir des monstres accomplir ce que l'on a toujours cru réservé aux humains. Ces créatures se déplaçaient avec intelligence dans de grandes salles, sortant des livres des rayonnages pour les apporter sur de grandes tables ou vice-versa. Parfois, elles écrivaient soigneusement à l'aide d'une drôle de baguette qu'elles tenaient dans les tentacules verdâtres de leur tête. Elles se servaient de leurs grosses pinces pour transporter des livres et discuter, leur langage étant un mélange de cliquetis et de frottements. Ces entités n'avaient pas de vêtements, mais portaient des cartables ou des avresacs accrochés au sommet de leur tronconique. La plupart du temps, elles tenaient leur tête et leurs membres qui la supportaient au niveau du sommet du cône, même s'il leur arrivait souvent de les lever ou de les baisser. Généralement, les trois autres membres principaux pendaient au repos le long du cône, où ils se recroquevillaient jusqu'à une longueur de cinq pieds environ quand ils ne servaient pas. En voyant la vitesse à laquelle elles lisaient, écrivaient et manipulaient leurs machines, celles qui se trouvaient sur les tables paraissaient, j'ignore comment, reliées aux pensées des entités. Je conclus que leur intelligence était nettement supérieure à celle de l'homme. Ensuite, je les vis partout. Grouillant dans toutes les immenses salles et dans tous les corridors, surveillant de monstrueuses machines dans des cryptes voûtées, et filant à toute allure sur de vastes avenues dans de gigantesques voitures en forme de bateaux. Je cessais de les craindre car elles s'intégraient à leur environnement avec un naturel merveilleux. Je commençais à distinguer les caractéristiques individuelles de quelques-unes de ces créatures, dont certaines me parurent soumises à une sorte de contrainte. Ces dernières, qui ne souffraient pourtant d'aucune particularité physique, se distinguaient non seulement de la majorité, mais encore plus les unes des autres, par un grand nombre de gestes et d'habitudes. Elles écrivaient énormément, en employant, si j'en crois mes visions embrumées, une grande variété de caractères, qui n'étaient jamais les hiéroglyphes curvilignes caractéristiques de la plupart des entités. Il me sembla même que certaines d'entre elles utilisaient notre propre alphabet. Les créatures qui traçaient ces caractères travaillaient généralement beaucoup plus lentement que les autres entités. Durant tout ce temps, mon propre rôle dans les rêves parut se limiter à celui d'une conscience désincarnée, dotée d'un champ visuel plus étendu que la normale, flottant librement à l'intérieur d'un périmètre soigneusement délimité, où les excès de vitesse étaient interdits. Il me fallut attendre août 1915 pour que des indices d'existence corporelle commençassent à me tourmenter. Je dis tourmenter, car cette première phase ne fut pour l'essentiel qu'un rapprochement totalement désincarné, et cependant infiniment horrible, entre les scènes de mes visions et cette répugnance envers mon corps à laquelle j'ai déjà fait allusion. Pendant un certain temps, mon principal souci au cours des rêves fut d'éviter de baisser les yeux vers mon corps, et je me rappelle combien je fus heureux de constater l'absence totale de grands miroirs dans les salles étranges. J'étais fort troublé par le fait de voir les grandes tables, qui ne pouvaient mesurer moins de dix pieds de haut, depuis un point de vue systématiquement situé au dessus de leur surface. Puis je fus dévoré par l'envie morbide de baisser les yeux et une nuit je lui cédai. Tout d'abord, je ne vis rien d'anormal, mais un instant plus tard, je compris que c'était parce que ma tête se trouvait au bout d'un cou flexible d'une longueur abominable. Après l'avoir contracté et regardé plus attentivement vers le bas, je parvins à distinguer la masse squameuse, striée et iridescente d'un immense cône de dix pieds de haut et d'autant de large à la base. Les hurlements que je poussais cette nuit-là réveillèrent la moitié d'Arkham, tandis que je plongeais follement hors du gouffre du sommeil. Plusieurs semaines de hideuses répétitions s'écoulèrent avant que je parvienne à me réconcilier en partie avec ces visions de moi même sous une forme monstrueuse. Dans mes rêves, je me déplaçais désormais physiquement parmi les autres mystérieuses entités, lisant les terribles livres des rayonnages interminables, et écrivant pendant des heures sur les hautes tables à l'aide d'un stylet manipulé par les tentacules verts qui pendaient de ma tête. Des fragments de mes lectures et écrits s'attardaient dans ma mémoire. C'étaient les annales effroyables d'autres mondes, d'autres univers et des manifestations d'une vie sans forme n'appartenant à aucun univers. C'étaient des récits d'étranges catégories d'êtres qui avaient peuplé la Terre en des temps oubliés, et les terrifiantes chroniques des intelligences aux corps grotesques qui le peupleraient plusieurs millions d'années après la mort du dernier homme. Je pris connaissance de certains chapitres de l'histoire humaine dont aucun de nos savants n'a jamais soupçonné l'existence. La plupart de ces textes étaient écrits dans la langue des hiéroglyphes, que j'étudiais de façon bizarre à l'aide de machines bourdonnantes, et qui constituait de toute évidence une langue agglutinante pourvue de systèmes de racines radicalement différents de tous ceux des langues humaines. De nombreux volumes étaient rédigés dans d'autres langues inconnues, que j'appris de la même étrange manière. Une minorité l'était dans des langues qui m'étaient familières des illustrations particulièrement pertinentes, insérées à l'intérieur des récits ou formant des recueils séparés, me furent très utiles. Et pendant tout ce temps, il me sembla que je rédigeais une histoire en anglais de ma propre époque. À mon réveil, je ne me rappelais plus que d'infimes et incohérents fragments des langues inconnues que mon moi onirique avait assimilées, même si des phrases entières de mon livre me restaient en mémoire. J'appris, avant même que mon moi de l'éveil n'eût entrepris l'étude des cas similaires aux miens et des vieux mythes incontestablement à la source des rêves, que les entités qui m'entouraient étaient la race la plus évoluée de la terre, qu'elle avait conquis le temps et envoyé des esprits explorer toutes les époques. J'appris également que j'avais été chassé hors de mon temps, pendant qu'un autre y utilisait mon corps, et que certaines des formes étranges abritaient des esprits capturés de cette façon. Je crois avoir discuté, dans un curieux langage à base de cliquetis de pince, avec des intelligences exilées de tous les coins du système solaire. Il y avait un esprit de cette planète que nous appelons Vénus qui vivrait dans un nombre incalculable d'époques à venir et un autre qui avait vécu sur un satellite de Jupiter 6 millions d'années avant notre ère. Parmi les esprits terrestres se trouvaient quelques représentants de la race semi-végétale, ailée et à tête en forme d'étoile de l'Antarctique paléogène. Un autre du peuple reptile de la Valusie légendaire, trois adorateurs hyperboréens de Tsatogua, créatures au corps couvert de fourrure ayant vécu avant l'homme, un de ces suprêmement abominables chokcho -cho. deux arachnides du dernier âge de la Terre, cinq coléoptères de ces robustes espèces qui succéderaient à l'humanité. Et vers qui la grande race transférerait en masse ses esprits les plus affûtés lorsque surviendrait la terrible menace. Et de nombreux représentants des différentes branches de l'humanité. Je m'entretins avec l'esprit de Yang Li, philosophe du cruel empire de Tsan Chan, qui sévirait en 5000 après Jésus-Christ avec celui d'un général de ce peuple à grosse tête et à la peau brune, qui occupa l'Afrique du Sud en 50 000 avant Jésus-Christ, avec celui d'un moine florentin du XIIe siècle nommé Bartoloméo Corsi, avec celui d'un roi de l'Omar qui avait régné sur cette terrible contrée polaire cent mille ans avant que les inutos, jaunes et trapus, ne déferlassent de l'Occident pour l'envahir. Avec celui de Nuxot, magicien des conquérants noirs de l'an 16 000 avant notre ère. Avec celui d'un romain nommé Titus Sempronius Blessus, qui avait été questeur sous Silla. Avec celui de Kefnes, égyptien de la quatorzième dynastie qui m'enseigna le hideux secret de totep Avec celui d'un prêtre du Moyen-Empire de l'Atlantide. Avec celui de James Woodville, gentilhomme de Suffolk du temps de Cromwell. Avec celui d'un astronome de la cour du Pérou pré-Inca. Avec celui de Neville Kingston Brown, physicien australien qui mourra en l'an 2518 de notre ère. Avec celui d'un archimage du royaume disparu de Yé, dans le Pacifique. Avec celui de Théodotides, fonctionnaire grec de Bactriane, en 200 avant Jésus-Christ. Avec celui d'un vieux français du temps de Louis XIII, nommé Pierre-Louis Montmagny. Avec celui de Chromia, un chef cimérien qui vécut en 15 000 avant Jésus-Christ. Et avec tellement d'autres encore que mon cerveau peine à retenir les effroyables secrets et les vertigineuses merveilles qu'ils m'ont appris. Tous les matins, je m'éveillais dans un état fébrile, essayant parfois avec frénésie de confirmer ou d'invalider telle information relevant du domaine des connaissances humaines modernes. Je voyais les faits traditionnels sous un jour nouveau, suspect, et l'imaginaire onirique capable d'inventer de si surprenants adindas à l'histoire et aux sciences ne laissait pas de m'étonner. Je frémissais en songeant aux mystères dissimulés dans le passé, et ne pouvais envisager sans trembler les menaces que l'avenir nous réservait. Ce que les entités posthumaines me laissèrent entendre du sort de l'humanité, produisit un tel effet sur moi que je m'abstiendrai d'en parler ici. Après l'homme viendrait la puissante civilisation des coléoptères, dont l'élite de la grande race s'approprierait les corps lorsque leur monde antédiluvien succomberait à un sort monstrueux plus tard une fois le cycle de la terre achevé les esprits transférés migreraient à nouveau dans l'espace et le temps jusqu'à une autre escale dans le corps bulbeux d'entités végétales de mercure mais après elle d'autres races s'accrocheraient encore pathétiquement à notre planète refroidie, qu'elle creuserait jusqu'à son cœur empli d'horreur avant la fin ultime. Pendant ce temps, dans mes rêves, je poursuivais sans relâche la rédaction de cette histoire de mon époque que je préparais, moitié volontairement et moitié en échange d'une plus grande liberté de voyager et d'accès à la bibliothèque, à l'intention des archives centrales de la grande race. Celle-ci se trouvait dans une structure souterraine colossale, située près du centre de la cité, avec laquelle je finis par me familiariser à force d'aller y travailler ou y consulter des documents. Conçue pour durer aussi longtemps que la race et résister aux secousses sismiques les plus violentes, cet entrepôt titanesque surpassait tous les autres édifices par sa masse et sa solidité himalayenne. Les documents, écrits ou imprimés sur de grandes feuilles de matière cellulosique étonnamment résistantes, étaient reliés en livres qui s'ouvraient par le haut et étaient conservés dans des étuis individuels faits d'un étrange métal grisâtre, inoxydable, extrêmement léger, décoré de symboles mathématiques et dont le titre était inscrit en hiéroglyphes curvilignes de la grande race. Tous ces étuis étaient conservés dans plusieurs milliers de rayonnages de coffres rectangulaires, semblables à des étagères verrouillées, constitués du même métal inoxydable et fermés par des serrures aux combinaisons compliquées. Ma propre histoire s'était vue réserver l'un des coffres du niveau inférieur, celui des vertébrés dans la section consacrée aux différentes civilisations de l'humanité et aux races reptiliennes et à fourrures qui l'avaient immédiatement précédé dans la domination de la Terre. Mais aucun de mes rêves ne me donna jamais un tableau complet de la vie quotidienne. Je ne voyais qu'un chaos nébuleux de fragments sans que ni tête. Ainsi, par exemple, je n'ai qu'une idée très imparfaite de mes conditions de vie dans ce monde onirique même s'il me semble avoir disposé, pour mon usage personnel, d'une grande chambre de pierre. Mes restrictions de prisonnier s'estompèrent peu à peu, si bien que certaines visions inclurent de stupéfiants voyages le long des impressionnantes routes de la jungle, de nombreux séjours dans d'étranges cités, et quelques explorations de ces immenses ruines, sombres et sans fenêtres, dont ceux de la grande race concevaient une si étrange et si intense peur. Il y eut aussi de longues croisières en mer, à bord d'énormes navires équipés de plusieurs ponts et incroyablement rapides, ainsi que des survols de régions sauvages à bord d'aéronefs en forme de projectiles, qui décollaient et se propulsaient au moyen de l'électricité. De l'autre côté de l'immense et chaud océan se dressaient d'autres cités de la grande race, et sur un lointain continent je vis les villages primitifs de ces créatures ailées à museaux noirs, qui finiraient par évoluer et devenir la race dominante, après que la grande race aura projeté ses esprits les plus évolués dans l'avenir pour échapper à l'insidieuse menace. Absence de relief et végétation luxuriante étaient les principales caractéristiques de tous ces paysages. Les collines, basses et rares, présentaient souvent des signes d'activité volcanique. Je pourrais écrire des volumes entiers sur les animaux que je vis. Tous étaient sauvages, car la civilisation mécanique de la grande race s'était depuis longtemps affranchie de l'élevage des animaux et la nourriture était entièrement d'origine végétale ou synthétique. D'immenses reptiles maladroits pataugeaient dans les vapeurs bouillonnantes des marécages, voletaient dans l'air lourd ou soufflaient de l'eau à la surface des mers et des lacs. Parmi eux, il me sembla vaguement reconnaître des prototypes moins évolués, archaïques, de diverses espèces, Dinosaures, ptérodactyles, ichthyosaures, labyrinthodontes, raphorinci, plésiosaures et autres animaux du même acabit que la paléontologie nous a rendus familiers. Quant aux oiseaux et aux mammifères, je n'en aperçus aucun. Terre sèche et marécages grouillaient en permanence de vie animale serpents, lézards et crocodiles tandis que des insectes bourdonnaient sans arrêt dans la végétation luxuriante. Au loin, sur la mer, de mystérieux monstres marins crachaient à l'insu de tous de gigantesques colonnes d'écume dans le ciel embrumé. Une fois, on m'invita à explorer les profondeurs océaniques à bord d'un immense vaisseau sous-marin Équipés de projecteurs, qui me permirent d'apercevoir de véritables monstres aux dimensions impressionnantes. Je vis également les ruines d'incroyables cités englouties, ainsi qu'une myriade de crinoïdes, brachiopodes, ichthyoides et coraux qui partout proliféraient. Mes visions n'ont pas retenu grand-chose de la physiologie, de la psychologie, des mœurs et de l'histoire détaillée de la grande race et bon nombre des informations disparates que j'expose ici furent glanées dans mon étude des vieilles légendes et des autres cas plutôt que dans mes propres rêves. Car à la longue, bien sûr, mes lectures et recherches rattrapèrent et dépassèrent même souvent mes rêves en bien des points, si bien que certaines bribes de rêves, expliquées par avance, me servirent à confirmer ce que j'avais appris, ce qui raffermit ma conviction, si réconfortante, que de semblables lectures et recherches, entreprises par mon autre moi, avaient fourni le matériau de cet infect tissu de pseudo-réminiscence. La période de mes rêves, semblait-il, remontait à un peu moins de 150 millions d'années, lorsque le paléozoïque cédait la place au mésozoïque. Les corps occupés par ceux de la grande race ne correspondaient à aucun stade de l'évolution, survivante ou scientifiquement connue, d'une espèce terrestre, mais étaient d'un type organique insolite, particulièrement homogène et hautement spécialisé, aussi proche du végétal que de l'animal. Leur activité cellulaire était unique en son genre, ignorant quasiment la fatigue et supprimant totalement le besoin de sommeil. La nourriture, absorbée au moyen des appendices rouges en forme de trompette fixée à l'un des grands membres flexibles, était toujours semi-liquide et différait par bien des égards de l'alimentation de tous les animaux existants. Ces êtres n'étaient pourvus que de deux des sens que nous connaissons. La vue et l'ouïe, cette dernière s'accomplissant au moyen des appendices en forme de fleurs situées sur les tiges grises dont leur tête s'ornait. Mais ils avaient beaucoup d'autres sens incompréhensibles et que les esprits étrangers captifs qui habitaient leur corps ne parvenaient jamais à utiliser correctement. Leurs trois yeux étaient placés de façon à leur offrir un champ visuel plus étendu que la normale. Leur sang était une sorte d'icor vert, foncé, très épais. Ils n'avaient pas de sexe mais se reproduisaient au moyen de graines ou de spores amoncelées à leur base, qui ne pouvaient se développer que sous l’eau. Ils se servaient de grands réservoirs peu profonds pour faire grandir leurs jeunes, qui n’étaient cependant élevés qu’en très petite quantités, étant donné la longévité des individus. Leur espérance de vie était généralement de 4 000 à 5000 ans les enfants qui souffraient de malformations importantes étaient éliminés sans brutalité dès que celles-ci se manifestaient en l'absence de sens du toucher ou de la souffrance physique la maladie et la mort imminente se reconnaissaient à des symptômes purement visuels les morts étaient incinérés au cours de cérémonies empreintes d'une profonde dignité parfois comme je l'ai déjà dit un esprit affûté échappait à la mort en se projetant dans l'avenir, mais ces cas étaient exceptionnels. Quand il s'en produisait un, l'esprit exilé de l'avenir était traité avec tous les égards jusqu'à la désintégration de son insolite enveloppe. La grande race semblait constituer une seule et même nation, ou « liens distendu », dont les quatre factions distinctes partageaient leurs principales institutions. Le système politique et économique de chaque unité était une sorte de socialisme matiné de fascisme, où les ressources les plus importantes étaient réparties de manière rationnelle, et le pouvoir placé entre les mains d'un petit conseil gouvernemental, élu par les suffrages de ceux qui avaient réussi certains tests culturels et psychologiques il n'existait pas d'organisation familiale au sens strict du terme, ce qui n'empêchait pas les liens unissant les membres d'une même lignée d'être reconnus, ni les jeunes d'être généralement élevés par leurs parents. Les principales ressemblances avec les comportements humains et leurs institutions s'observaient bien sûr, d'une part, dans ces domaines caractérisés par des notions très abstraites, et d'autre part, dans ceux où s'exerçait le joug des besoins fondamentaux, élémentaires, qui sont le propre de toute vie organique. Un petit nombre d'autres points communs résultaient des propres désiderata de la grande race, qui sondait l'avenir pour s'en inspirer. L'industrie, hautement mécanisée, laissait beaucoup de temps libre à tous les citoyens, et les nombreuses heures de loisirs ainsi dégagées étaient consacrées à une infinité d'activités intellectuelles ou artistiques. Les sciences s'étaient développées à un niveau incroyable. L'art jouait un rôle essentiel dans la vie de ceux de la grande race, même s'il avait, à l'époque de mes rêves, entamé son déclin. La technologie trouvait un formidable stimulant dans la lutte pour la survie collective et la préservation de la structure matérielle des grandes cités que lui imposaient les prodigieuses convulsions géologiques de ces temps primitifs le taux de criminalité était incroyablement bas grâce à un maintien de l'ordre extrêmement efficace. Les peines, qui s'échelonnaient de la perte de privilèges jusqu'à la prison à vie en passant par d'intenses tortures émotionnelles, n'étaient jamais infligées sans un examen minutieux des mobiles du criminel. Les guerres, fort rares, mais effroyablement dévastatrices, furent, au cours des derniers millénaires, surtout des guerres civiles. Cependant, la grande race devait parfois repousser certains envahisseurs reptiliens ou octopodes, ou bien encore se défendre contre ces anciens, ailés et à tête en forme d'étoile, que l'on trouvait surtout dans l'Antarctique. L'armée, nombreuse et équipée d'armes ressemblant à des appareils photos envoyant de redoutables décharges électriques, était maintenu en alerte pour des raisons rarement évoquées, mais qui, de toute évidence, avaient trait à la terreur que ne cessaient d'inspirer les antiques et sombres ruines sans fenêtre et les grandes trappes scellées des niveaux souterrains les plus bas. Cette terreur des ruines basaltiques et des trappes faisait surtout l'objet d'un consensus silencieux et n'était jamais évoquée que par de furtives ébauches de murmures. Les livres rangés dans les étagères librement accessibles ne la mentionnaient jamais, ce qui n'était pas anodin. Car c'était, pour ceux de la grande race, le sujet tabou par excellence, associé, semblait il, à d'horribles luttes ancestrales, et à cette menace en suspens qui les contraindrait un jour à envoyer massivement vers l'avenir leurs esprits les plus affûtés. Cette question était d'autant plus nébuleuse et déconcertante que les autres faits présentés par les rêves et les légendes étaient insatisfaisants et fragmentaires. Les vieux mythes confus n'y faisaient jamais la moindre allusion, à moins que celles-ci n'en eussent été retranchées pour des raisons que j'ignore. D'ailleurs, mes propres rêves, comme ceux des autres rêveurs, n'en contenaient presque aucune trace ceux de la grande race ne l'évoquaient jamais intentionnellement, et les seuls renseignements disponibles à son sujet provenaient toujours de quelques esprits captifs particulièrement observateurs. D'après ces bribes d'informations, cette crainte était inspirée par une horrible race d'entités extraterrestres antédiluviennes, à moitié polypeuses, qui, après avoir traversé l'espace depuis des univers infiniment éloignés, avait soumis la Terre et trois autres planètes du système solaire 600 millions d'années auparavant. Elles n'étaient qu'en partie matérielles, du moins selon notre acception du terme matière, et leur type de conscience ainsi que leurs moyens de perception différaient radicalement de ceux des organismes terrestres. Ainsi, leur sens ne comprenait-il pas celui de la vue? Leur univers mental était une étrange mosaïque d'impressions non visuelles. Elles étaient cependant suffisamment matérielles pour se servir d'outils constitués de matière normale quand elles se trouvaient dans des zones de l'univers où une telle chose existait. Et elles avaient besoin de demeures, bien que d'un genre particulier. Même si leur sens était capable de pénétrer toutes les barrières mentales, leur substance elle ne le pouvait pas en outre, certaines formes d'énergie électrique pouvaient les détruire entièrement. Malgré l'absence d'elles ou de quelque autre moyen visible de lévitation, elles pouvaient se mouvoir dans les airs. La nature de leur esprit était telle que ceux de la grande race n'avaient jamais réussi à communiquer avec elles. Lorsque ces choses étaient descendues sur Terre, elles avaient érigé de puissantes cités basaltiques hérissées de tours aveugles, et avaient entrepris d'éradiquer toutes les créatures qu'elles avaient trouvées. C'est alors que les esprits de la grande race avaient traversé le vide, depuis cet obscur monde transgalactique connu sous le nom de Yit, dans les inquiétants et fort controversés fragments de poterie Deltdown. Grâce aux instruments qu'ils avaient créés, ces nouveaux arrivants n'eurent aucun mal à soumettre les entités prédatrices et à les repousser dans ces cavernes des entrailles de la terre que ces dernières avaient déjà reliées à leur demeure et commencé d'habiter. Puis, après en avoir scellé les issues, ceux de la grande race les avaient abandonnés à leur sort occupant ensuite la plupart des grandes cités et conservant certains des bâtiments parmi les plus importants pour des raisons qui tenaient plus de la superstition que de l'indifférence, de l'audace ou d'un quelconque zèle scientifique et historique. Mais les siècles succédant aux siècles, toute une série d'indices aussi vagues que sinistres Laissa supposer que les choses très anciennes croissaient en force et en nombre dans les entrailles de la terre. Certaines petites cités lointaines de la grande race, ainsi que quelques-unes des anciennes villes abandonnées qu'elles n'avaient pas colonisées, autant de lieux dont les issues vers les abîmes souterrains n'avaient pas été convenablement scellées ou gardées, furent victimes d'irruptions sporadiques particulièrement détestables. Après quoi, on redoubla de précautions, et plusieurs issues furent condamnées à jamais, même si quelques-unes gardèrent leur trappe scellée dans un but stratégique, combattre ces choses très anciennes, au cas où elles ressurgiraient en des lieux inattendus, comme par exemple de ces failles récemment ouvertes par ces mêmes convulsions géologiques qui avaient, jadis, obstrué certaines des issues, et au fil du temps diminuait à la surface de la terre la quantité d'édifices et de ruines qui restaient des villes prises aux entités les raids menés par ces choses très anciennes devaient avoir été d'une violence inimaginable car ils avaient à tout jamais marqué de leur empreinte la psychologie de la grande race celle-ci concevait une telle horreur de ces créatures que leur simple aspect n'était jamais mentionné Jamais je n'eus la moindre idée de ce à quoi ces entités ressemblaient. Tout ce que je trouvais, ce fut quelques allusions voilées à une monstrueuse plasticité et à des invisibilités temporaires, tandis que d'autres rumeurs mentionnaient leur capacité à contrôler des vents violents à des fins militaires. Des sifflements bizarres, et de colossales traces de pas comportant les empreintes circulaires de cinq orteils leur étaient, semblait il, également associées. De toute évidence, le sort fatal si désespérément redouté par la grande race, cette catastrophe qui provoquerait un jour la migration de millions d'esprits vers d'étranges corps situés par delà l'abîme du temps, dans un avenir plus sûr, était liée à une ultime et victorieuse incursion de ces créatures très anciennes. Des projections mentales à travers les âges leur avaient clairement prédit cette horreur, et ceux de la grande race avaient décidé d'éviter à ceux qui pouvaient en réchapper d'avoir à l'affronter. Leur connaissance de l'histoire future de la planète leur avait appris que leur aide redoutée serait menée dans un pur esprit de vengeance, plutôt que pour essayer de reconquérir le monde extérieur, leur projection mentale leur ayant montré les races qui devaient leur succéder allant et venant sans être inquiétées par les monstrueuses entités. La lumière ne voulant rien dire pour ces choses très anciennes, peut-être avait elle fini par préférer les abîmes de la terre à sa surface changeante, ravagée par les tempêtes. À moins qu'elles ne se fussent lentement affaiblies au fil des siècles. Quoi qu'il en fût, Nul n'ignorait qu'elles seraient toutes mortes à l'époque de la race posthumaine de coléoptères dont les esprits en fuite seraient les locataires. En attendant, la grande race continuait de monter attentivement la garde, ses puissantes armes toujours prêtes à l'emploi malgré l'interdit horrifié qui bannissait ce sujet des conversations courantes et des documents accessibles. Et l'ombre d'une peur sans nom planait toujours sur les trappes scellées et les antiques tours aveugles et noires. Tel était le monde dont mes rêves m'apportaient chaque nuit les sombres et vagues échos. Je ne saurais espérer donner une idée précise de l'horreur et de la crainte qu'il m'inspirait, car ces deux sentiments provenaient pour l'essentiel d'un élément insaisissable, cette nette impression de pseudo-réminiscence. Comme je l'ai déjà dit, mes études finirent par me procurer un moyen de défense contre ces sentiments sous la forme d'explications psychologiques rationnelles. Et cette influence salvatrice se trouva renforcée par la subtile touche d'accoutumance apportée par le passage des ans. Et pourtant, malgré tout, la terreur se faisait parfois de nouveau sentir, vague et insidieuse. Mais elle ne me submergeait jamais totalement comme autrefois. Et à partir de 1922, je pus mener une vie tout à fait normale où se mêlaient travail et loisir. Au fil des ans, il me sembla que mon expérience, accompagnée des cas analogues et du folklore qui leur était associés, méritait d'être résumée et publiée à l'attention des chercheurs dignes de ce nom. Aussi préparai-je une série d'articles passant brièvement en revue l'ensemble du sujet et illustrés par des croquis rudimentaires de quelques-uns des motifs décoratifs, formes scènes et hiéroglyphes que je me rappelais avoir vus en rêve. Ces articles furent publiés à divers moments des années 1928 et 1929 dans le Journal of the American Psychological Society, mais dans une indifférence quasi générale. Pendant ce temps, je continuais à consigner mes rêves avec un soin méticuleux, bien que la masse croissante des documents atteignit des proportions encombrantes. Le 10 juillet 1934, la société de psychologie me fit suivre la lettre qui constitua le prélude de ce qui devait être à la fois la phase culminante et la plus horrible de toute cette épreuve insensée. Elle portait le cachet de la poste de Pilbara, en Australie occidentale, et la signature d'un individu qui, renseignement pris, était un ingénieur des mines extrêmement réputé. Deux très curieuses photographies l'accompagnaient. Je vais reproduire ce texte dans son intégralité pour que tous les lecteurs puissent comprendre le prodigieux effet que cette lettre et ces photos eurent sur moi. Pendant un certain temps, je fus presque sonné. Je n'arrivais pas à y croire, car même si j'avais souvent pensé que tel ou tel aspect des légendes qui avaient coloré mes rêves devait avoir une base réelle, je ne m'attendais pas pour autant à la moindre survivance tangible d'un monde perdu dans un passé inimaginable. Le coup de grâce fut porté par les photographies, car on y voyait, avec un réalisme froid et irréfutable, se détacher sur un décor de sable quelques blocs de pierre usés par les intempéries, ravinés par les eaux et érodés par les tempêtes, dont le sommet légèrement convexe et la base légèrement concave étaient fort éloquents. Et lorsque je les eus examinés à la loupe, je ne puis faire autrement que de distinguer dans la pierre pictée et frêlée les motifs curvilignes émaillés de quelques-uns de ces hiéroglyphes désormais chargés pour moi d'une effroyable signification. Mais voici la lettre qui se passe de tout commentaire. 49 Dampier Street, Pilbara, West Australia, 18 mai 1934. Professeur N. W. Peasley, Care of American Psychological Society, 30 East 41st Street, New York City, USA. Cher monsieur, m'étant récemment entretenu avec le docteur E. M. Boyle de Perth, et ayant lu vos articles dans les revues qu'il vient de m'envoyer, il me semble opportun de vous informer de ce que j'ai vu dans le grand désert de sable. À l'est de notre gisement aurifère. Si j'en crois les singulières légendes concernant les vieilles cités que vous décrivez, avec leurs énormes blocs de pierre et leurs étranges motifs et hiéroglyphes, je ne crois pas me tromper en vous disant que j'ai fait une très importante découverte. Les aborigènes ont toujours été intarissables au sujet de ces immenses pierres avec des marques dessus dont ils conçoivent, semble-t-il, une véritable terreur. Pour eux, elles sont plus ou moins rattachées à leur fond populaire de légende sur Boudaille, ce gigantesque vieillard qui dort sous terre depuis des siècles, la tête sur un bras, et qui un jour se réveillera pour dévorer le monde. D'antiques récits à demi oubliés parlent d'énormes huttes de pierres souterraines, où des galeries descendraient à n'en plus finir, et où d'horribles choses se seraient produites. Jadis, prétendent les aborigènes, des guerriers fuyant le combat descendirent dans l'une d'elles pour n'en jamais ressortir. Mais juste après leur disparition, des vents terrifiants commencèrent à souffler depuis cet endroit. <laughs> Cela dit, les indigènes racontent tellement de fadaises. Mais si je vous écris, c'est pour vous entretenir d'une affaire autrement plus sérieuse. Il y a deux ans, alors que je prospectais dans le désert, à quelques 500 miles à l'est, je suis tombé sur d'étranges blocs de pierre taillés, mesurant environ trois pieds de long sur deux de large, pour autant de haut, et érodés et criblés à l'extrême. Je ne distinguais tout d'abord aucune des marques dont les aborigènes m'avaient parlé. Mais en examinant les pierres de plus près, je parvins à distinguer certaines lignes profondément gravées que l'érosion avait épargnées. C'étaient des courbes insolites, semblables à celles que les Noirs avaient essayé de décrire. J'estimais qu'il devait se trouver là trente ou quarante blocs de pierres, dont certains étaient presque enfouis dans le sable. Tous se trouvaient à l'intérieur d'un cercle de plus ou moins un quart de mile de diamètre. Ayant aperçu les premiers, j'en cherchais attentivement d'autres aux alentours et procédais à un relevé minutieux de leur emplacement avec mes instruments. J'en ai également photographié dix ou douze parmi les plus représentatifs dont je vous joins les épreuves. J'ai transmis mes notes et photographies au gouvernement de Perth où elles restèrent lettres mortes. C'est alors que je fis la connaissance du docteur Boyle qui avait lu vos articles dans le Journal of the American Psychological Society, et à qui je finis par parler, au bout d'un certain temps, de ces blocs de pierre. Il se montra vivement intéressé, et ne se contint plus d'excitation lorsque je lui montrai mes clichés, m'expliquant que ces pierres et marques étaient semblables à celles des bâtiments que vous aviez vus dans vos rêves, et dont vous aviez lu la description dans d'antiques légendes. Il souhaitait vous écrire, mais n'en a pas trouvé l'occasion. Entre-temps, il m'a envoyé la plupart des revues contenant vos articles, et je vis aussitôt, grâce à vos dessins et descriptions, que mes pierres étaient exactement identiques à celles que vous décrivez, comme vous pourrez le constater par vous-même en regardant les épreuves si jointes. Mais le docteur Boyle vous en parlera bientôt directement en personne. Je comprends désormais combien tout cela est important pour vous. Manifestement, nous nous trouvons devant les vestiges d'une civilisation inconnue, beaucoup plus ancienne que toutes celles dont on a pu rêver et formant la base de vos légendes. En tant qu'ingénieur des mines, j'ai certaines connaissances en géologie et puis vous assurez que ces blocs de pierre sont d'une ancienneté telle qu'elle m'effraie. La plupart d'entre eux sont constitués de grès et de granit même si l'un d'eux est probablement fait d'une curieuse sorte de ciment ou de béton. Tous ont été soumis à une forte érosion, comme si cette partie du monde avait été engloutie pour réapparaître après de nombreux siècles, tout cela après que ces blocs eurent été taillés et utilisés. Je vous parle ici de centaines de milliers d'années, voire beaucoup plus, Dieu seul sait combien exactement. Je préfère ne pas y penser. Étant donné le travail minutieux que vous avez déjà fourni pour identifier les légendes et tout ce qui s'y rattache, je ne doute pas que vous souhaitiez organiser une expédition dans le désert afin d'y procéder à des fouilles archéologiques. Le Dr. Boyle et moi-même sommes parfaitement disposés à vous aider dans cette entreprise si vous, ou quelque organisme de votre connaissance, parvenez à réunir les fonds nécessaires. Je peux rassembler une douzaine de mineurs pour les gros travaux d'excavation, inutile de compter sur les aborigènes, car je me suis aperçu que cet endroit leur inspirait une terreur quasi pathologique. Boyle et moi gardons tout cela pour nous, car bien entendu, l'antériorité de cette découverte et le prestige qui l'accompagne vous reviennent de plein droit. Depuis Pilbara, ce site peut être atteint en à peu près quatre jours si l'on fait le trajet en auto-chenille, dont nous aurons besoin pour notre outillage. Cet endroit est situé légèrement au sud-ouest de la piste de Warburton, qui date de 1873, et à 100 miles au sud-est de Joanna Spring. Nous pourrions également remonter le cours de la d grey River au lieu de partir de Pilbara, mais mieux vaut parler de tout cela plus tard. En gros, les pierres se trouvent dans une zone située à environ 22 degrés, 3 minutes, 14 secondes de latitude sud par 125 degrés, 0, minute 39 secondes de longitude est. Sachez que le climat est tropical et que dans le désert, les conditions sont éprouvantes. Le mieux, s'il devait y avoir une expédition, serait de l'entreprendre en hiver, c'est-à-dire en juin, juillet ou août. Je me ferais un plaisir de correspondre avec vous à ce sujet et suis sincèrement désireux de vous aider à entreprendre tout projet que vous pourriez envisager. Depuis que j'ai lu vos articles, je vous avoue ne m'être toujours pas remis des profondes répercussions que peut avoir toute cette affaire. Le Dr Boyle vous écrira bientôt. Si vous avez besoin de me joindre rapidement, il vous suffit de m'envoyer un câble à Perth. Il me sera transmis par radio. Dans l'espoir bien sincère d'une prompte réponse, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Robert B. F. McKenzie Pour connaître les suites immédiates de cette lettre, il suffit de lire la presse. J'eus la chance immense d'obtenir le soutien de Miskatonic University, tandis que, de leur côté, M. Mackenzie et le docteur Boyle se montrèrent tous les deux incroyablement utiles en préparant le terrain en Australie. Conscient du fait que cette affaire n'aurait pas manqué d'être traitée sur un ton sensationnel et badin par la presse grand public, nous nous gardâmes bien de détailler ouvertement notre objectif. En conséquence de quoi, il y eut relativement peu d'articles, mais il en parut cependant suffisamment pour annoncer notre départ pour ces ruines récemment découvertes en Australie, et pour se faire l'écho étape par étape de nos divers préparatifs. Le professeur William Dyer, du département de géologie de l'université et chef de la Miscatonic Antarctic Expedition de 1930-1931, Ferdinand C. Ashley, du département d'histoire ancienne, et Tyler M. Freeborn, du département d'anthropologie, m'accompagnaient tous ainsi que mon fils Wingate. Mon correspondant, Mackenzie, nous rejoignit à Arkham au début de 1935 et nous aida à terminer nos préparatifs. Il se révéla être un homme affable, d'une cinquantaine d'années, extraordinairement compétent, admirablement cultivé, et pour qui les conditions d'un voyage en Australie n'avaient aucun secret. Des autochenilles nous attendant à Pilbara nous affrétâmes un bateau à vapeur dont le tirant d'eau était assez faible pour nous permettre de remonter le fleuve jusque-là. Nous étions équipés de manière à pratiquer des fouilles aussi minutieuses et scientifiques que possible, passer au crible la moindre particule de sable et ne déranger aucun objet qui nous parût se dresser exactement ou à proximité de sa position originelle. Le 28 mars 1935, nous quittâmes Boston à bord d'un vapeur poussif, le Lexington, sur lequel nous effectuâmes une traversée sans histoire de l'Atlantique et de la Méditerranée, avant de descendre le canal de Suez vers la mer Rouge, et de traverser l'océan Indien vers notre but final. Inutile de dire à quel point la côte basse, sablonneuse, de l'Australie occidentale me démoralisa, ni combien je détestais la fruste ville minière et les sinistres terrains orifères où les auto-chenilles reçurent leur dernier chargement. Le docteur Boyle, qui nous avait rejoints, était un homme d'âge mûr, intelligent et plutôt de bonne composition, qui eut du fait de ses connaissances en psychologie de nombreuses et longues discussions avec mon fils et moi-même. Beaucoup d'entre nous éprouvèrent un étrange mélange de malaise et d'espoir lorsque les 18 membres de notre expédition s'élancèrent enfin, dans un cliquetis de chenilles, sur plusieurs lieux arides de sable et de roche. Le vendredi 31 mai, après avoir traversé à gué un bras du De Grey, nous pénétrâmes dans le royaume de la désolation absolue. Au fur et à mesure que nous progressions vers le site même du vieux monde antédiluvien qu'abritaient les légendes, je sentis grandir en moi une véritable terreur, d'autant plus vive que mes angoissantes visions et pseudo-réminiscences m'assaillaient toujours avec autant de force. Le lundi 3 juin, nous distinguâmes le premier des blocs de pierre à demi-enfouis. Je ne saurais décrire les sentiments qui m'étreignirent lorsque je touchai enfin, dans toute son irréfutable réalité, un fragment de maçonnerie cyclopéenne en tout points identique aux blocs dont étaient constitués les murs des bâtiments de mes visions. Il portait des traces très nettes de gravure, et mes mains tremblèrent lorsque je reconnus une partie d'un motif décoratif curviligne que des années de cauchemars éprouvants et de recherches déconcertantes avaient rendu infernal à mes yeux. Un mois de fouilles permit d'exhumer un total de quelques 1250 blocs, à divers degrés d'usure ou de désagrégation. Beaucoup étaient des mégalithes sculptés dont les bases et sommets étaient incurvés. Quelques uns, plus petits, plus plats et unis, étaient de forme carrée ou octogonale, comme ceux des dalles et des pavés de mes rêves, alors que d'autres, plus nombreux et singulièrement massifs, suggéraient par leurs lignes incurvées ou obliques qu'ils avaient pu être des voûtes ou des arêtes, des vestiges d'arches ou des encadrements de fenêtres rondes. Plus nos fouilles s'approfondissaient et s'étendaient au nord et à l'est, plus nous trouvions de blocs, sans jamais cependant réussir à découvrir la moindre trace de construction. Le professeur d'ailleurs était épouvanté par l'inconcevable antiquité des fragments et Freeborn repéra des vestiges de symboles qui renvoyaient obscurément à certaines légendes papouses ou polynésiennes dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. L'état et la disposition des blocs témoignaient en silence de cycles du temps vertigineux et de bouleversements géologiques d'une férocité cosmique. Nous disposions d'un avion à bord duquel mon fils Wingate s'envolait souvent à différentes altitudes, pour essayer de repérer dans le désert de sable et de roche quelques vagues traces de relief à grande échelle, différences de niveau ou traînées de blocs éparpillés. Mais il rentrait bredouille la plupart du temps. Car s'il pensait avoir un jour aperçu quelque indice significatif, cette impression était, au cours du vol suivant, remplacée par une autre, tout aussi peu fondée, la faute au mouvement du sable sur lequel le vent ne cessait de souffler. Une ou deux de ces impressions éphémères, cependant, me laissèrent un étrange et pénible sentiment. Elles semblaient peu ou prou se raccorder horriblement à quelque chose que j'avais lu ou rêvé, mais que j'étais incapable de me rappeler. Il émanait d'elles une terrible pseudo-familiarité qui, j'ignore pourquoi, me faisait jeter furtivement des regards d'appréhension vers le nord et le nord-est de cette abominable étendue stérile. Vers le début de la première semaine de juillet, toute cette région, située au nord-est de notre campement, commença à m'inspirer un singulier mélange d'horreur et de curiosité, ou, pour être plus précis, une fort déroutante et tenace impression de souvenir. J'eus recours à toutes sortes d'expédients psychologiques pour me sortir ces idées de la tête. En vain! À cela s'ajouta l'insomnie, mais je l'accueillis presque avec soulagement, car c'était autant de temps en moins consacré à mes rêves. Je pris l'habitude d'aller faire de longues marches en solitaire dans le désert, tard dans la nuit, le plus souvent vers le nord ou le nord est, vers où toutes mes étranges nouvelles impulsions semblaient mystérieusement m'attirer. Il m'arrivait parfois, au cours de ces promenades, de trébucher sur des fragments à demi enfouis de l'ancienne maçonnerie. Bien qu'il y eût là moins de blocs visibles qu'à proximité du chantier de fouilles, j'étais persuadé qu'il devait s'en trouver quantité d'autres sous terre. Le relief était plus accidenté que celui du camp, et de violentes rafales de vent sculptaient souvent de fantastiques et éphémères monticules de sable, mettant au jour d'antiques pierres tout en en recouvrant d'autres. Bizarrement, j'étais impatient de voir les fouilles s'étendre à ce nouveau territoire, alors même que je redoutais ce qu'elles pourraient révéler. Il faut croire que je commençais à aller mal, d'autant plus mal que je n'arrivais pas à m'expliquer la raison de mon trouble. Preuve, s'il en est que ma santé mentale donnait des signes de faiblesse, ma réaction à la curieuse découverte que je fis au cours d'une de mes randonnées nocturnes. C'était le soir du 11 juillet, et une lune gibbeuse inondait de sa lumière spectrale les mystérieux monticules. M'aventurant un peu plus loin que d'habitude, je tombai sur un gros bloc de pierre visiblement très différent de tous ceux que nous avions trouvés jusque-là. Il était presque totalement enterré, mais après m'être penché dessus pour le débarrasser du sable qui le recouvrait, je l'examinais attentivement en ajoutant au clair de lune la lumière de ma torche électrique. À la différence des autres blocs de grande dimension, celui-ci était parfaitement équari, sans surface ni convexe ni concave. En outre, il semblait constitué d'une substance basaltique, noire, fort distincte du granit ou du grès, ou parfois du béton, des fragments désormais familiers. C'est alors que je me relevai brusquement, fis demi-tour et rentrai en toute hâte au camp. C'était une fuite totalement inconsciente, irrationnelle. Et c'est seulement en approchant de ma tante que la raison de ma fuite m'apparut et que la mémoire me revint. Cette étrange pierre noire, je l'avais vue en rêve. J'avais même lu des choses à son sujet. Elle était liée à cette horreur suprême mentionnée dans l'immémoriale tradition légendaire. C'était l'un des blocs de cette antique maçonnerie basaltique que la légendaire grande race redoutait tant, les hautes ruines aveugles abandonnées par ces choses descendues de l'espace, à demi matérielles et sinistres, qui pullulaient dans les entrailles de la terre et dans les forces invisibles, pareilles à des vents étaient tenus en respect par des trappes scellées et des sentinelles constamment aux aguets. Je ne dormis pas de la nuit, mais l'aube approchant, je compris combien j'avais été bête de me laisser bouleverser par l'ombre d'un mythe. Au lieu d'être terrorisé, j'aurais dû me réjouir de cette découverte. Dans la matinée, j'informai mes compagnons de ma trouvaille. Puis, d'ailleurs, Freeborn, Boyle, mon fils et moi-même partîmes examiner le bloc insolite pour ne pas le trouver. Je n'avais pas la moindre idée de l'emplacement de cette pierre. En outre, comme souvent, de récentes rafales de vent venaient de remodeler les monticules de sable. J'entame à présent la partie cruciale et la plus difficile de mon récit, d'autant plus difficile que je ne saurais garantir sa véracité. Mais j'ai parfois la certitude troublante que tout cela ne fut ni un rêve ni une hallucination, et c'est ce sentiment, à cause des formidables implications qu'entraînerait mon aventure au cas où elle reposerait sur une réalité objective, qui me pousse à rédiger ce document. Mon fils, psychologue accompli et ayant de toute cette affaire, sur laquelle il porte un regard bienveillant, la connaissance la plus approfondie, sera le meilleur juge de ce que j'ai à dire. Pour commencer, permettez-moi d'exposer les grandes lignes de toute cette affaire, comme les connaissent les membres de l'expédition. Durant la nuit du 17 au 18 juillet, après une journée de grand vent, J'allais me coucher de bonne heure, mais ne pus trouver le sommeil. Levé peu avant 11 heures, et me sentant comme toujours oppressé par l'étrange sentiment que m'inspirait le terrain du Nord-Est, j'entrepris une de mes habituelles promenades nocturnes. En quittant le camp, je ne croisais qu'une seule personne, un mineur australien nommé Topper, que je saluais. La lune, qui amorçait son déclin, brillait dans un ciel clair et baignait les sables antédiluviens de sa blanche et lépreuse lumière, qui me semblait, j'ignore pourquoi, infiniment maléfique. Le vent était tombé. Il ne devait plus se remettre à souffler avant les cinq prochaines heures, comme le confirmèrent Topper et tous ceux qui, cette nuit-là, ne réussirent pas non plus à dormir. La dernière fois que l'Australien me vit, je me hâtais en direction du nord-est, franchissant les dunes pâles et dormant sur leurs secrets. Vers trois heures et demie du matin, une violente bourrasque renversa trois tentes et réveilla tout le camp. Le ciel était sans nuages et la clarté lépreuse de la lune illuminait encore le désert. Les membres de l'expédition s'occupèrent des tentes. C'est alors que l'on remarqua mon absence, mais comme j'avais l'habitude de partir me promener, personne ne s'en inquiéta. Ce qui n'empêcha pas que trois hommes, tous australiens, sentissent planer dans l'air quelque chose de sinistre. Mackenzie expliqua au professeur Freeborn que cette peur était issue du folklore aborigène les Autochtones ayant curieusement associé à toutes sortes de mythes maléfiques les vents violents qui, à de longs intervalles, balayent les sables sous un ciel serein. Ces vents, chuchote-t-on, sont vomis par les grandes huttes de pierres souterraines où se sont produites tant de choses terribles, et ne sévissent jamais qu'à proximité des zones où sont disséminées les grosses pierres gravées. Vers quatre heures du matin, L'ouragan s'apaisa aussi brusquement qu'il s'était déchaîné, abandonnant dans son sillage de nouvelles collines de sable aux contours insolites. Juste après cinq heures, alors que la lune fongoïde des boursouflée plongeait en direction de l'ouest, je revins en titubant au camp, nu tête, les vêtements en lambeaux, égratignés et écorchés de partout et sans ma torche électrique. La plupart des hommes étaient retournés se coucher, mais le professeur D'ailleurs était resté dehors pour fumer une pipe à l'entrée de sa tente. Me voyant à bout de souffle et au bord de la crise d'hystérie, hey, il appela le docteur Boyle et tous deux m'aidèrent à regagner ma couchette où ils m'allongèrent confortablement. Mon fils, réveillé par l'agitation, les rejoignit bientôt. Et tous insistèrent pour que je me calmasse et essayasse de dormir. Mais pas question pour moi de dormir. J'étais, nerveusement parlant, dans un état fort singulier, très différent de tous ceux que j'avais connus jusque-là. Au bout d'un certain temps, je les sommais de me laisser leur expliquer le pourquoi et le comment de mon excitation. Je leur dis alors que, cédant à la fatigue, je m'étais allongé sur le sable pour faire un petit somme. Là, poursuivis-je, j'avais fait des rêves encore plus terrifiants que d'habitude, et quand un brutal ouragan m'avait réveillé, mes nerfs, déjà soumis à rude épreuve, avaient cédé. J'avais fui, paniqué, trébuchant à de nombreuses reprises sur des pierres à demi-enterrées, me blessant et déchirant mes vêtements. J'avais dû dormir longtemps, d'où mon absence de plusieurs heures. Au prix d'un extrême effort sur moi-même, je ne laissais rien échapper de ce que j'avais vu ou ressenti d'étrange au cours de ma disparition. Mais je prétendis avoir changé d'avis quant au but de notre expédition, et recommandai vivement d'interrompre les fouilles en direction du nord-est. J'avais visiblement le plus grand mal à en fournir les raisons, car j'évoquais, pêle-mêle, le manque de blocs de pierre, le souci de ne pas offenser les mineurs superstitieux, la possible réduction des fonds alloués par l'université et autres mensonges ou arguments bancals. <laughs> Bien sûr, personne ne prêta la moindre attention à mes nouveaux desiderata, pas même mon fils, manifestement très préoccupé par ma santé. Le lendemain je me levai et fis le tour du camp sans prendre part aux fouilles. Comprenant qu'il m'était impossible de les interrompre, je décidai de rentrer au plus tôt chez moi pour ménager ma santé mentale, et fis promettre à mon fils de me conduire en avion jusqu'à Perth, à mille miles au sud-ouest, juste après qu'il aurait survolé la région où je ne voulais pas que nos recherches s'étendissent. Si, me disais-je, ce que j'avais vu était encore visible, je pourrais toujours lancer une mise en garde explicite, quitte à me ridiculiser. Qui sait, peut-être les mineurs au fait du folklore local se rangeraient-ils à mon avis. Pour me faire plaisir, mon fils effectua son vol de reconnaissance dans l'après-midi même, survolant tout le périmètre que j'aurais pu parcourir à pied. Mais rien de ce que j'avais découvert ne se voyait plus. Comme dans le cas du bloc de basalte insolite, le sable mouvant avait effacé toutes les traces. L'espace d'un instant, je regrettais presque d'avoir perdu, dans ma terreur panique, un certain objet prodigieux, mais je sais désormais que cette perte était un bienfait. Je suis libre de continuer à m'imaginer que toute cette aventure n'a été qu'une hallucination, surtout si, comme je l'espère de tout mon cœur, on ne retrouve jamais cet abîme infernal. Le 20 juillet, Wingate me conduisit à Perth, mais refusa d'abandonner l'expédition et de rentrer à la maison. Il resta avec moi jusqu'au 25, date à laquelle l'Empress, un vapeur, leva l'ancre pour Liverpool. Dans ma cabine, je repassais fiévreusement dans mon esprit les événements de ces derniers jours, et y repensait longuement pour conclure je décidai que s'il y avait quelqu'un à qui tout raconter ce devait être mon fils à lui de juger si cette affaire devait être révélée ou non au grand public à toutes fins utiles j'ai cru bon de rappeler brièvement le début de toute mon histoire que d'autres connaissaient déjà pour en avoir lu des bouts ici ou là et m'apprête maintenant à relater, de manière aussi condensée que possible, ce qui, selon toute apparence, s'est passé pendant mon absence du camp au cours de cette nuit épouvantable. Les nerfs à vif, et aiguillonnés par cette curieuse impatience perverse, insufflés par la mystérieuse impulsion quasi mnémonique et mêlée de crainte qui me poussait vers le nord-est, je traçais ma route sous la lune maléfique et brûlante. Ça et là, je voyais, à moitié enseveli sous le sable, ces blocs cyclopéens primitifs, lègues d'éternités oubliées et sans nom. L'horreur exsudée par cette monstrueuse désolation, son incommensurable antiquité, m'angoissèrent comme jamais auparavant. J'étais incapable de penser à autre chose qu'à mes rêves affolants, aux terrifiantes légendes qui les sous-tendaient, et aux craintes que ce désert et ses pierres gravées inspirent encore aujourd'hui aux mineurs et aux aborigènes. Je n'en continuais pas moins d'avancer, comme si je me rendais à quelque rendez-vous surnaturel, en proie à des visions, des forces et des pseudo-réminiscences de plus en plus déroutantes. Je repensais à certains des alignements de pierres que mon fils avait cru déceler depuis les airs, et me demandais pourquoi ils me semblaient à la fois si sinistres et si familiers. Quelque chose essayait, maladroitement, de forcer la serrure de ma mémoire, tandis qu'une autre force tout aussi mystérieuse s'escrimait à m'en interdire l'accès. Cette nuit-là, le vent était tombé. Et même les ondulations des dunes s'étaient figées, aussi pâles que les vagues d'une mer gelée. Je n'avais pas de but précis, mais ma progression laborieuse n'en avait pas moins l'assurance de la fatalité. Mes rêves déteignaient sur le monde de l'éveil, si bien que chaque mégalite ensablé semblait faire partie de salles et de corridors de maçonnerie inhumaine d'une longueur infinie. Que mes années de captivité chez ceux de la grande race m'avaient rendu familier. Parfois, je croyais voir ces horreurs coniques omniscientes vaquer à leurs occupations quotidiennes, et j'avais si peur de me trouver à leur ressemblance que je n'osais baisser les yeux. Mais pendant tout ce temps, je ne cessais de voir les blocs ensablés se superposer aux salles et aux corridors. La lune ardente et maléfique se superposait aux lampes de cristal lumineux, l'immensité désertique se superposait aux fougères et aux sicas qui ondoyaient derrière les fenêtres. J'étais tout à la fois éveillé et en train de rêver. Je ne saurais dire pendant combien de temps ni jusqu'où j'avais marché, ni même en fait dans quelle direction lorsque je vis pour la première fois l'amoncellement de blocs dénudés par les bourrasques de la veille. Jamais je n'en avais vu autant au même endroit, et j'en fus si impressionné que les visions d'époques fabuleuses s'évanouirent aussitôt. Une fois encore, je me retrouvai seul face au désert, à la lune mauvaise et aux vestiges d'un passé insoupçonné. Je m'approchais, m'arrêtais, et braquait sur les blocs éboulés la lueur supplémentaire de ma torche électrique. Un monticule de sable avait été balayé par le vent, révélant un léger renflement, vaguement rond, constitué de mégalithes et de fragments plus petits, d'environ quarante pieds de diamètre pour deux à huit pieds de haut. Je compris instinctivement que ces pierres n'étaient pas tout à fait comme les autres. Non seulement il y en avait une quantité inhabituelle, mais encore, un je ne sais quoi dans les traces de dessins usés par le sable retint mon attention lorsque je les examinais sous les rayons conjugués de la lune et de ma torche. Aucun bloc, cependant, ne différait substantiellement des spécimens précédents découverts. C'était plus subtil que cela. Car je n'eus pas cette impression en les regardant un par un, mais lorsque je les considérais dans leur totalité, c'est alors que la vérité se fit jour dans mon esprit. Les motifs curvilignes de la majorité d'entre eux étaient étroitement liés, ils faisaient partie d'un plus grand ensemble décoratif. Pour la première fois, dans cette immensité désertique éprouvée par les siècles, j'étais tombé sur une masse de maçonnerie se dressant à l'endroit même de son site originel, éboulée et incomplète, certes, mais qui n'en évoquait pas moins précisément un bâtiment. Après être monté sur une partie basse, je gravis péniblement l'amas, déblayant par endroits le sable avec mes doigts, m'efforçant constamment d'identifier ces blocs aux tailles, formes, styles et motifs si variés. Au bout d'un certain temps, je pouvais presque me rappeler la nature de cet édifice disparu ainsi que les dessins disséminés sur toute sa gigantesque surface. Cette maçonnerie primitive ressemblait tant à celle de certaines de mes visions oniriques, que cela m'angoissa et m'effraya terriblement. Il s'était autrefois trouvé là un corridor cyclopéen de trente pieds de large sur trente pieds de haut, pavé de dalles octogonales et coiffé d'une voûte solide. Jadis, des salles s'ouvraient sur sa droite, tandis qu'à l'autre extrémité descendait jusqu'à de plus grandes profondeurs l'un de ces étranges plans inclinés. Je sursautais violemment lorsque ces images me revinrent à l'esprit, car elles m'en apprenaient beaucoup plus que les blocs eux-mêmes. Comment pouvais-je savoir que je me trouvais à un niveau profondément enfoui sous terre Comment pouvais-je savoir que le plan incliné menant aux étages supérieurs aurait dû se trouver dans mon dos Comment pouvais-je savoir que le long passage souterrain menant à la place des colonnes aurait dû se trouver sur la gauche, un niveau au-dessus de moi Comment pouvais-je savoir que la salle des machines et le tunnel conduisant directement aux archives centrales devaient se trouver deux niveaux plus bas Comment pouvais-je savoir qu'une de ces horribles trappes, scellées de bandes métalliques, devait se trouver tout au fond, quatre niveaux plus bas? Abasourdi par cette intrusion de l'univers onirique, je me surpris à trembler de tout mon corps et à me retrouver baigné d'une sueur glacée. La caresse d'un léger et insidieux courant d'air froid, sourdant d'une dépression ouverte près du cœur de l'amoncellement de blocs, fut la dernière touche apportée à cet insupportable tableau. Aussitôt, comme une fois déjà auparavant, mes visions s'estompèrent, cédant la place à la lune maléfique, au désert lourd de menaces et au tumulus de maçonnerie du Paléogène, toujours plus présent, toujours plus réel. Je me trouvais enfin face à quelque chose de tangible, quelque chose de vrai, et cependant chargé d'une infinité de mystères remontant à la nuit des temps. Car ce filet d'air ne pouvait avoir qu'une seule signification. Un gouffre immense était caché sous le chaos de blocs de la surface. Je songeais tout d'abord aux sinistres légendes aborigènes parlant de ces immenses huttes souterraines parmi les mégalithes où se produisent des horreurs et naissent des ouragans. Puis je repensais à mes propres rêves et sentis d'obscures pseudo-réminiscences toquer à la porte de mon esprit. Quelle sorte de lieu s'ouvrait sous mes pieds. Quelle inconcevable source primitive de mythes antédiluviens et de cauchemars obsédants m'apprêtais-je à découvrir. Mon hésitation fut de courte durée, car une force plus grande que la curiosité ou le zèle scientifique me poussait à descendre et sapait ma peur grandissante. Il me sembla, en bougeant, N'être qu'une marionnette sur les fils de laquelle un implacable destin aurait tiré, je rangeai ma torche dans ma poche et me mis à l'ouvrage avec une force que j'ignorais posséder, commençant par écarter un titanesque fragment de pierre, puis un autre, jusqu'à ce que jaillit un puissant courant d'air dont l'humidité contrastait bizarrement avec la sécheresse du désert. Une crevasse noire se mit à béer. Puis enfin, quand j'eus repoussé tous les fragments assez petits pour être déplacés, le clair de lune baigna de sa clarté lépreuse une fente suffisamment large pour me permettre de m'y glisser. Je sortis ma torche et embraquai le faisceau lumineux sur l'ouverture. Au dessous de moi, un chaos de maçonnerie éboulée, résultant très probablement de l'effondrement, il y a bien longtemps, du niveau supérieur, descendait brusquement vers le nord selon une pente d'environ 45 degrés. Entre sa surface et le sol s'ouvrait un gouffre de ténèbres impénétrables, dont le plafond portait les traces d'une gigantesque voûte surhaussée, au niveau de laquelle, semblait-il, les sables du désert reposaient directement sur le plancher d'un titanesque édifice antédiluvien. Par quel miracle avait-il résisté à plusieurs millénaires de convulsions géologiques Je n'en avais alors et n'en ai toujours pas la moindre idée. Quand j'y songe après coup, la simple idée de m'aventurer seul dans un gouffre aussi inquiétant, à un moment où personne ne sait où vous êtes, semble relever de la pure folie. Et peut-être l'était-ce. Pourtant, cette nuit-là, je n'eus pas un seul instant d'hésitation. Ainsi se manifestait à nouveau le destin qui paraissait diriger mes pas depuis le début, m'attirant et me poussant vers un but inconnu. À la lueur de ma torche, qu'il m'arrivait d'éteindre pour en économiser la pile, j'entamais la difficile et folle descente de la sinistre pente cyclopéenne qui plongeait sous l'ouverture, regardant tantôt devant moi, quand je trouvais de bonnes prises pour les mains et les pieds, tantôt dans la direction opposée, vers les mégalithes entassés, auxquels je m'accrochais en tâtonnant dans un équilibre toujours plus incertain. À droite comme à gauche, ma torche révélait de lointains murs croulants de maçonnerie ornée de bas-reliefs. Devant moi, cependant, tout n'était que ténèbres. Au cours de ma difficile descente, je perdis complètement la notion du temps. Dans mon esprit tourbillonnaient des milliers d'images et d'impressions si déconcertantes que la réalité semblait renvoyer à une distance inconcevable. Toute sensation physique était abolie, et la peur elle-même n'était plus que son propre fantôme, gargouille impuissante qui me jetait des regards menaçants. J'atteignis enfin un terrain plat jonché d'éboulis de fragments de pierre informe de sable et de débris de toutes sortes de chaque côté à peut-être trente pieds l'un de l'autre s'élevaient des murs massifs couronnés d'imposantes arêtes il me sembla qu'ils étaient ornés de gravures mais de quel genre exactement cela je ne le voyais pas la voûte surtout retint mon attention. La lumière de ma torche ne pouvait pas atteindre le plafond, mais la partie inférieure des arcs monstrueux se détachait distinctement, et il ressemblait si parfaitement à ce que j'avais vu du monde ancien dans d'innombrables rêves, que pour la première fois je tremblais de tout mon corps. Derrière moi, loin au-dessus de ma tête, une lueur indistincte rappelait le monde extérieur, baigné par la clarté lunaire. Un vague reste de prudence me conseilla de ne pas la perdre de vue si je voulais pouvoir retrouver le chemin de la sortie. Je m'approchai alors du mur à ma gauche, où les motifs gravés se distinguaient le mieux. Le sol jonché de décombres était presque aussi impraticable que la pente que je venais de descendre, mais je réussis tant bien que mal à m'y frayer un chemin. À un moment donné, j'écartai quelques blocs et repoussais du pied les débris pour voir le dallage, et frémis en constatant combien les grandes dalles octogonales, qui continuaient vaille que vaille à recouvrir la surface du sol, m'étaient terriblement et fatalement familières en dépit des dégâts qu'elles avaient subis. Une fois à bonne distance du mur, je promenais lentement et en faisant très attention la lumière de ma torche sur ces vestiges de gravure érodés par le temps. Sa surface de grès, qui paraissait avoir souffert autrefois de la montée des eaux, portait de curieuses incrustations dont je ne m'expliquais pas l'origine. La maçonnerie semblait par endroits terriblement disjointe et branlante, et je me demandais pendant combien d'autres airs ce secret édifice antédiluvien pourrait continuer d'exister au milieu de tous ces tremblements de terre. Mais ce qui me passionna le plus, ce furent les sculptures. Bien que très abîmées par le temps, il suffisait de s'en approcher pour voir ce qu'elles représentaient, et je fus abasourdi de constater à quel point elles mettaient, jusque dans les moindres détails, Absolument et intimement familière. Que les principales caractéristiques de cette vénérable architecture me fussent connues n'étaient pas tout à fait invraisemblables. Ayant fortement impressionné les tisseurs de mythes, elles avaient fini par se fondre dans le courant de sciences occultes dont j'avais pris connaissance, j'ignore comment, au cours de mon amnésie, suscitant dans mon subconscient nombre d'images éloquentes. Mais comment expliquer que chaque ligne et spirale de ces étranges motifs coïncidât exactement avec ceux dont j'avais rêvé pendant plus de vingt ans? Quelle obscure iconographie tombée dans l'oubli avait pu reproduire dans toute leur subtilité ces ombres et nuances qui persistaient, nuit après nuit, à m'apparaître dans mon sommeil avec autant de constance et de précision? car cette ressemblance n'était ni lointaine ni fortuite. Même s'il était dissimulé au fond du temps, le corridor multimillénaire où je me tenais à présent était en tout point et indiscutablement l'original de celui que j'avais connu dans mon sommeil aussi intimement que ma propre maison de Crane Street à Arkham. En vérité, mes rêves me montraient cet endroit dans sa prime jeunesse, mais la ressemblance n'en était pas moins frappante. À mon grand effroi, je savais parfaitement où j'étais. Je connaissais ce bâtiment, tout comme je connaissais son emplacement dans cette abominable et antédiluvienne cité onirique. Je me rendis compte avec une affreuse et instinctive certitude que je pouvais aller les yeux fermés n'importe où dans ce bâtiment ou dans cette cité qui avait échappé aux changements et aux dévastations d'un nombre incommensurable de siècles. Au nom du ciel, que cela pouvait-il bien signifier Comment n'étais-je arrivé à savoir ce que je savais Et quelle horrible réalité sous-tendait les antiques légendes des habitants de ce labyrinthe de pierres primitives les mots ne sauraient rendre qu'une infime fraction du tourbillon de terreur et de confusion qui s'abattit sur moi. Je connaissais cet endroit, je savais ce qu'il y avait devant moi, tout comme je savais ce qu'il y avait eu au dessus de moi avant que les myriades d'étages supérieurs ne fussent rendus à la poussière, aux débris et au désert. Inutile à présent Songeais-je en frissonnant de garder à l'œil la lueur indistincte du clair de lune. J'étais partagé entre l'envie de fuir et un mélange fébrile de curiosité ardente et de fatalité impérieuse. Qu'était-il arrivé à cette monstrueuse et archaïque mégalopole au cours des millions d'années qui s'étaient écoulées depuis l'époque de mes rêves? Des nombreux labyrinthes souterrains qui avaient sous-tendu la cité et relié toutes ces tours titanesques, combien avaient survécu aux convulsions de la croûte terrestre? Étais-je tombé sur tout un monde enfoui d'une antiquité sacrilège? Retrouverais-je la maison du maître d'écriture? Et la tour Ousga, l'esprit captif issu des végétaux carnivores de l'Antarctique à la tête en forme d'étoile, avait gravé au ciseau certains dessins sur les espaces vides des murs. Au deuxième sous-sol, le passage qui menait à la salle commune des esprits étrangers avait il été obstrué? Où pourrais je l'emprunter? Dans cette salle, l'esprit captif d'une entité stupéfiante qui vivrait dans dix huit millions d'années, une entité semi-plastique habitant le cœur creux d'une planète transplutonienne inconnue conservait un certain objet qui l'avait modelé dans la glaise. Je fermais les yeux et portais la main à mon front dans un vain et pitoyable effort pour chasser de mon esprit ces fragments de rêve démentiels. Puis, pour la première fois, je sentis distinctement bouger autour de moi l'air humide et froid et tout en frissonnant je compris qu'un impressionnant chapelet de gouffres noirs morts de toute éternité devait s'égrener béant quelque part au-delà et au-dessous de moi je songeais aux salles aux corridors et aux plans inclinés terrifiants que je me rappelais avoir vus en rêve la route menant aux archives centrales existait-elle toujours Une fois encore, le destin implacable frappa avec insistance à la porte de mon cerveau, tandis que je me remémorais les stupéfiants documents autrefois rangés dans les coffres rectangulaires de métal inoxydable. S'il fallait en croire les rêves et les légendes, c'était là que reposait toute l'histoire passée et future du continuum espace-temps de notre univers, rédigé par les esprits captifs de toutes les planètes et de toutes les époques du système solaire. <laughs> Pure folie, bien sûr, mais ne venais-je pas de faire irruption dans un monde de ténèbres aussi fou que moi Je songeais au casier métallique verrouillé et aux curieuses manipulations de cadrans requises pour les ouvrir, mon propre casier me revint à l'esprit de façon frappante. Combien de fois ne m'étais-je pas plié à cette routine compliquée de rotations et de pressions aussi diverses que variées dans la section des vertébrés terrestres du niveau le plus bas Tous les détails m'en étaient aussi présents que familiers. S'il existait un coffre identique à celui de mes rêves, je l'ouvrirais en un clin d'œil. C'est à ce moment là que je perdis totalement la tête. Un instant plus tard, sautant et trébuchant par dessus les roches éboulées, je me précipitais vers le plan incliné que jamais je n'avais oublié et qui plongeait tout droit vers les profondeurs. À partir de ce moment-là, on ne peut plus guère se fier à mes impressions. En vérité, je continue malgré tout d'espérer, contre toute raison, qu'elles font partie de quelque rêve démoniaque ou délire halluciné. La fièvre se déchaînait dans mon cerveau, et tout me revint à travers une sorte de brume, quelquefois seulement par intermittence. Le faisceau de ma torche peinait à percer le cœur des ténèbres, révélant parfois de manière fulgurante de fantastiques parois et gravures hideusement familières, ayant toutes souffert de l'action du temps. À l'endroit où une partie considérable de la voûte s'était effondrée, je fus obligé d'escalader un énorme tumulus de pierre qui atteignait presque le plafond, déficté et traversé de stalactites grotesques. Je me serais cru dans l'un de mes pires cauchemars, et encore plus horrible à cause des pseudo-réminiscences qui ne cessaient de me hanter. La seule chose qui ne m'était pas familière était ma propre taille comparée à la monstrueuse maçonnerie. Je me sentais oppressé par une sensation inaccoutumée de petitesse, comme si le fait de voir ces murs imposants depuis un simple corps humain m'était aussi nouveau qu'absolument anormal je n'arrêtais pas de regarder nerveusement à mes pieds, vaguement troublé par mon enveloppe humaine. Fonçant tête baissée dans les ténèbres de l'abîme, je sautais, plongeais et trébuchais, tombant plus d'une fois, me meurtrissant et manquant même en une occasion de casser ma torche. Pas une pierre, pas le plus petit coin ou recoin de ce gouffre infernal que je ne connaissais. Et je m'arrêtais à de nombreuses reprises pour promener la lumière de ma lampe sur des passages voûtés, obstrués ou en partie éboulés, mais pourtant familiers. Certaines salles s'étaient complètement écroulées, d'autres étaient vides, d'autres encore étaient pleines de débris. Je vis dans certaines des masses de métal, tantôt presque intactes, tantôt fendues en deux, écrasées ou abîmées. Dans lesquelles je reconnus les piédestaux et les tables colossales de mes rêves. Qu'avaient-elles été au juste Je n'osais pas y penser. Je trouvai le plan incliné qui s'enfonçait sous terre et commençai à le descendre, mais je fus bientôt arrêté par une crevasse béante au bord déchiqueté, dont la partie la plus étroite faisait au moins quatre pieds de large. Ici, la maçonnerie s'était effondrée, révélant d'insondables profondeurs d'un noir d'encre. Je savais que cet édifice titanesque comptait encore deux niveaux souterrains, et je me mis à trembler d'une terreur nouvelle en me remémorant la trappe bardée de fer du niveau le plus bas. Elle ne devait plus être gardée à présent, car ce qui s'était tenu à l'affût au-dessous avait depuis longtemps accompli son hideuse besogne et entamer son long déclin. Lorsque viendrait le règne de la race posthumaine des coléoptères, tout cela serait mort et enterré depuis longtemps, et pourtant, je me mis de nouveau à trembler en songeant aux légendes indigènes. Je dus fournir un terrible effort pour sauter par-dessus le gouffre béant, car le sol jonché de débris ne me permettait pas de prendre de l'élan, mais la folie me guidait. Je choisis un endroit près du mur gauche où la faille était beaucoup moins large et le point de chute à peu près vide de dangereux débris, et après un instant de panique je me retrouvais sain et sauf de l'autre côté. Ayant enfin atteint le niveau inférieur, je passais en trébuchant devant le passage voûté menant à la salle des machines où de fantastiques ruines de métal disparaissaient à moitié sous la voûte effondrée. Tout était à sa place, comme je m'y attendais, et je gravis avec confiance les monceaux de débris qui barraient l'entrée d'une vaste galerie transversale. Elle me conduirait, je le savais, jusqu'aux archives centrales sous la cité. Il me sembla que plusieurs siècles s'écoulaient tandis que je titubais, sautais et me traînais le long de ce corridor à moitié obstrué. De temps à autre, je distinguais quelques sculptures sur les parois abîmées par le temps, les unes familières, d'autres manifestement ajoutées après l'époque de mes rêves. Comme il s'agissait d'un passage souterrain reliant plusieurs bâtiments, il n'était voûté qu'aux endroits où il entrait et sortait des sous-sols des différents édifices. À certaines de ces intersections, je tournais la tête afin de revoir ça les couloirs dont je me souvenais parfaitement. Par deux fois seulement, je découvris des changements radicaux par rapport à mes rêves. Et dans l'un de ces cas, je pus repérer le contour de la voûte condamnée dont je me souvenais. Alors que je me dépêchais de traverser, ce que j'aurais bien aimé éviter, la crypte d'une de ces grandes tours aveugles en ruine, dont la maçonnerie basaltique d'inspiration extraterrestre trahissait l'indicible et terrible origine, je sursautais violemment en éprouvant un curieux accès de faiblesse, probablement destiné à me ralentir. Ce caveau primitif de forme circulaire mesurait bien 200 pieds de diamètre, et ses parois de couleur sombre n'arboraient aucun motif gravé. Le sol n'était recouvert que de poussière et de sable, ce qui me permit d'apercevoir les ouvertures menant vers le haut et vers le bas. Sans surprise, je constatais qu'il n'y avait ni escalier ni plans inclinés, car mes rêves m'avaient montré que la fabuleuse grande race n'avait jamais touché à ces antiques tours. Ceux qui les avaient bâtis n'avaient nul besoin d'escaliers ou de plans inclinés. Dans mes rêves, l'ouverture menant vers le bas était hermétiquement close et sévèrement gardée. Elle était désormais grande ouverte, et sa gueule noire vomissait un courant d'air humide et froid. Mais je m'interdis de penser aux insondables cavernes plongées dans la nuit éternelle qui régnait au dessous. Un peu plus loin, je me frayais péniblement un passage parmi les débris d'un passage particulièrement encombré, puis atteignis un endroit dont le plafond totalement effondré formait une montagne de gravats. Je l'escaladai pour traverser ensuite un grand espace vide où la lumière de ma torche ne révéla ni mur ni voûte. Il s'agissait probablement, me dis-je, de la cave de la maison des ferrailleurs. Elle donnait sur la troisième grande place, non loin des archives. Que lui était-il arrivé C'était impossible à dire. Je retrouvai le corridor juste après la montagne de gravats et de pierres, mais tombai presque aussitôt sur une zone totalement obstruée où les décombres de la voûte s'accumulaient presque jusqu'à toucher le plafond qui menaçait ruines. Comment ai-je réussi à extirper et à repousser suffisamment de blocs pour me frayer un chemin Et comment ai-je osé déranger les fragments éboulés alors que la moindre rupture d'équilibre aurait pu faire s'effondrer toutes les tonnes de maçonnerie qui s'entassaient dessus et me réduire à néant Je l'ignore. Car seule la folie me poussait et me guidait à condition bien entendu que toute mon aventure souterraine n'eût pas été une hallucination diabolique ou un épisode onirique comme je l'espère. Mais je réussis à me frayer, ou du moins le rêvais, à un passage où je pus me glisser. Alors que je rampais sur la montagne de Grava, ma torche allumée profondément enfoncée dans ma bouche, je me sentis laminé par les stalactites fantastiques du plafond déchiqueté, juste au-dessus de moi j'étais maintenant tout près de ce qui semblait être mon but l'immense structure souterraine abritant les archives glissante et dégringolante au bas de l'autre pente de la montagne de gravats puis avançant avec précaution dans le reste du couloir en allumant de temps à autre la torche que je tenais à la main j'atteignis enfin une crypte circulaire dans un merveilleux état de conservation, d'où rayonnaient sous un plafond bas de nombreux passages voûtés. Les murs, ou du moins ce que ma torche m'en révéla, étaient totalement recouverts de hiéroglyphes et de bas reliefs représentant les habituels symboles curvilignes, dont certains étaient postérieurs à l'époque de mes rêves. Comprenant que j'étais arrivé là où le destin voulait me conduire, je m'engouffrais aussitôt sous une arche familière qui s'ouvrait à ma gauche. Bizarrement, j'étais certain de pouvoir y trouver un plan incliné praticable qui me permettrait d'accéder à tous les niveaux supérieurs et inférieurs subsistants. Cette énorme structure, protégée par la Terre, abritait les annales de tout le système solaire et avait été construite pour durer aussi longtemps que ce système lui-même selon des méthodes et avec une solidité surnaturelle. Des blocs d'une dimension époustouflante, ajustés avec un pur génie mathématique et scellés par des ciments d'une dureté incroyable, s'assemblaient pour former une masse aussi résistante que le cœur rocheux de la planète. Ici, après des éternités plus prodigieuses que je ne pouvais le concevoir sans devenir fou, sa masse souterraine était globalement demeurée intacte et les débris qui abondaient partout ailleurs avaient relativement épargné son immense sol poussiéreux. La relative liberté de mouvement dont je bénéficiais à partir de là me monta curieusement à la tête. Toute l'impatience fébrile jusque là contrariée par les obstacles pu librement s'exprimer dans une sorte de course frénétique, et je me précipitais littéralement dans les couloirs bas de plafond dont je me souvenais effroyablement bien. De l'autre côté de la voûte, donc, je ne m'étonnais plus de reconnaître tout ce que je voyais. De part et d'autre de mon parcours se dressaient, tels des monstres couverts de hiéroglyphes, les grandes portes métalliques des armoires, certaines toujours en place, d'autres grandes ouvertes et d'autres encore tordues et déformées par d'antiques secousses sismiques trop faibles pour ébranler la maçonnerie titanesque. Ça et là, un monticule de poussière au pied d'une armoire béante et vide, semblait marquer l'endroit où les étuis avaient été renversés par les tremblements de terre. Il n'y avait pas beaucoup de colonnes mais toutes portaient d'immenses symboles ou lettres indiquant les catégories et sous-catégories des volumes. À un moment, je m'arrêtai devant un coffre ouvert où j'aperçus quelques-uns des étuis métalliques habituels, toujours à leur place parmi l'omniprésente poussière granuleuse. Levant le bras, je réussis à déloger, non sans mal, l'un des exemplaires les plus minces et le posai sur le sol pour l'examiner son titre était écrit dans les hiéroglyphes curvilignes habituels même si la disposition des caractères me parut vaguement insolite n'ignorant rien du bizarre mécanisme du fermoir recourbé je relevai le couvercle vierge de rouille et toujours aussi maniable et en sortis le livre qui l'abritait celui-ci sans surprise mesurait environ vingt pouces de haut pour quinze de large et deux d'épaisseur sa fine couverture de métal s'ouvrait par le haut. Ces pages de robuste cellulose ne semblaient pas avoir souffert des innombrables cycles du temps qu'elle avait traversés, et j'examinais les lettres du texte dessinées au pinceau et bizarrement colorées, symboles qui différaient aussi bien des hiéroglyphes incurvés habituels que de tous les alphabets connus des savants humains, en ayant l'impression de ressusciter quelques souvenirs à moitié oubliés. Je compris alors que c'était la langue d'un esprit captif que j'avais vaguement connu dans mes rêves, un esprit issu d'un grand astéroïde à la surface duquel avait survécu la majeure partie du savoir et de la vie archaïque de la planète primitive dont il n'était qu'un fragment. Je me rappelais aussitôt que ce niveau des archives était consacré aux volumes traitant des planètes non terrestres. Alors que je finissais d'examiner cet incroyable document, je m'aperçus que la lumière de ma torche commençait à faiblir. Aussi me dépêchai-je d'y introduire la pile de rechange qui ne quittait jamais ma poche. Après quoi, fort de ce surcroît de lumière, je repris ma course frénétique dans ces interminables enchevêtrements de couloirs et d'allées. Reconnaissant de temps à autre une étagère familière et vaguement ennuyé par l'acoustique de ces catacombes mortes et silencieuses de toute éternité où les échos de mes pas résonnaient de façon incongrue. Même l'empreinte de mes chaussures derrière moi, dans ces couloirs poussiéreux que nul n'avait foulés depuis des millénaires, me fit frissonner. Si mes rêves insensés recelaient une once de vérité, Jamais pied d'homme n'avait foulé ces dalles immémoriales. Où courais-je ainsi comme un fou Je n'en avais pas la moindre idée. Cela n'empêchait cependant pas une certaine force maléfique de tirer sur les fils de ma volonté engourdie et de mes souvenirs ensevelis, si bien que je sentais confusément que je ne courais pas au hasard. Ayant trouvé un plan incliné qui descendait, je le dévalais jusqu'à de plus grandes profondeurs. Les étages défilaient à toute allure devant moi, mais je ne m'arrêtais pas pour les explorer. Dans mon cerveau en proie au vertige battaient d'étranges pulsations au rythme desquelles ma main droite s'ouvrait et se fermait à l'unisson. Je voulais déverrouiller quelque chose, et j'avais l'impression de connaître toutes les manipulations et pressions nécessaires pour ce faire. Ce serait une sorte de coffre-fort moderne avec une serrure à combinaison. Rêve ou non, je l'avais connue autrefois et la connaissais encore. Comment un rêve, ou même une bribe de légende assimilée inconsciemment, aurait-il pu m'apprendre un détail si précis, si sophistiqué et si complexe Je ne cherchais même pas à me l'expliquer j'étais incapable de toute pensée cohérente. Car toute cette aventure, ces ruines inconnues qui m'étaient affreusement familières, et cette monstrueuse et parfaite coïncidence entre tout ce que je voyais et tout ce qui n'avait pu m'être suggéré que par des rêves ou des bribes de mythes, n'était-elle pas une horreur qui dépassait l'entendement Mais je devais avoir alors la certitude comme je l'ai aujourd'hui dans mes moments de lucidité, que j'étais profondément endormi et que cette cité ensevelie n'était que le produit de mon délire et de mon imagination. J'atteignis enfin le niveau le plus bas et tournai brusquement à droite du plan incliné. Pour quelque obscure raison, j'essayais d'atténuer le bruit de mes pas alors même que cela m'obligeait à ralentir. Il y avait à cet étage, enfoui dans les entrailles de la terre, un endroit que je craignais de traverser, et c'est seulement en m'en approchant que l'objet de ma crainte me revint en mémoire. Il s'agissait simplement d'une de ces trappes bardées de métal étroitement surveillées. Maintenant, il ne devait plus y avoir de garde. À cette idée, je me mis à trembler de tout mon corps et à avancer sur la pointe des pieds, comme lorsque j'avais traversé cette sombre crypte basaltique où une trappe identique béait. Puis je sentis un courant d'air humide et froid, comme là-bas, et priais pour que mes pas m'emmenassent ailleurs. Pourquoi me conduisait-il précisément par ici Je l'ignorais. En arrivant à l'endroit redouté, je vis que la trappe était grande ouverte. Les étagères recommençaient juste derrière, et j'aperçus au pied de l'une d'elles, sous une très fine couche de poussière, un tas d'étuis récemment renversés. Je fus à l'instant même envahi par une nouvelle vague de terreur, dont je ne m'expliquais cependant pas tout de suite la cause. Ces tas d'étuis renversés n'étaient pourtant pas rares. Car ce labyrinthe enténébré n'avait cessé d'être, depuis des temps immémoriaux, agité par les secousses sismiques et régulièrement traversé par le fracas sourdissant des objets tombant par terre. C'est seulement quand je fus à mi-chemin de ces étuis renversés que je compris pourquoi je m'étais mis à trembler si violemment. Ce n'était pas le tas qui m'avait effrayé, mais quelque chose dans la couche de poussière qui couvrait le sol. La lumière de ma torche me montra qu'elle n'était pas aussi unie qu'elle aurait dû l'être, car elle semblait moins épaisse par endroit, comme si on l'avait foulée quelques mois plus tôt. Mais était-ce vraiment le cas C'était impossible à savoir, tant la poussière recouvrait absolument tout. Pourtant j'avais l'impression d'entrevoir dans les différences de niveau que je m'imaginais peut-être une régularité extrêmement inquiétante. Ayant braqué ma torche sur l'une de ces anomalies du terrain, je n'aimais pas ce que je vis car l'impression de régularité s'en trouva renforcée. On eût dit toute une série d'empreintes composites, empreintes venant par groupe de trois, mesurant chacune un peu plus d'un pied carré et se composant de cinq plus petites empreintes quasi circulaires de trois pouces carrés dont l'une était plus longue que les quatre autres ces vagues séries d'empreintes d'un pied carré paraissaient mener dans deux directions différentes comme si une créature s'était rendue quelque part et en était revenue elles étaient évidemment très légères et aurait pu n'être qu'accidentelles ou illusoires. Mais le parcours qu'elle semblait suivre m'inspira une vague et confuse terreur. Car il reliait d'un côté le tas d'étuis qui venait probablement d'être renversé, et de l'autre, la sinistre trappe d'où sourdait le vent humide et froid. Cette trappe ouverte sur d'inimaginables abîmes restait sans surveillance. Si profonde et irrésistible était l'étrange compulsion à laquelle j'étais soumis qu'elle l'emporta sur ma peur aucun motif rationnel n'aurait pu me pousser à poursuivre ma route après cette impression d'empreinte hideuse et les insidieux souvenirs oniriques qu'elle éveilla en moi. Et pourtant ma main droite, même si elle tremblait d'effroi, n'en continuait pas moins de se contracter sur un rythme régulier, comme impatiente de déverrouiller une serrure qu'il lui tardait de trouver. Avant d'avoir pu m'en rendre compte, j'avais dépassé le tas d'étui récemment tombés, et m'élançais à pas feutrés dans des allées dont nul n'avait foulé la poussière, vers un lieu que je connaissais, semblait-il, horriblement et pathologiquement bien. Mon esprit se posait des questions dont je commençais seulement à deviner l'origine et à mesurer la pertinence. Ma main humaine serait-elle capable d'effectuer toutes les manipulations requises pour ouvrir la serrure que je me rappelais par-delà l'abîme du temps Cette serrure serait-elle en bon état Fonctionnerait-elle Et que ferais-je Qu'oserais-je faire de l'objet que, comme je le comprenais à présent, j'espérais et craignais à la fois de trouver constituerait-il la preuve d'une réalité terrifiante, dévastatrice pour l'esprit, de quelque chose d'inconcevable, ou simplement la preuve que je rêvais Tout ce que je sais, c'est qu'un instant plus tard, j'avais cessé de courir sur la pointe des pieds et me tenais immobile, en face d'une rangée d'étagères ornées de hiéroglyphes d'une familiarité affolante. Elles étaient dans un état de conservation presque impeccable. Seules trois des portes de tout ce secteur étaient sorties de leur gond. Je ne saurais décrire les sentiments qui m'assaillirent lorsque je découvris ces étagères, tant j'éprouvais une intime et tenace sensation de profonde familiarité. J'avais levé la tête pour regarder l'un des rayonnages supérieurs, tout à fait hors de ma portée, et me demandais comment grimper jusqu'à lui sans me blesser quatre rangées au-dessous, une porte ouverte pourrait s'avérer utile. En attendant, les serrures des portes fermées constitueraient autant de prises possibles pour les mains et les pieds. Il me suffirait de prendre ma torche entre les dents comme je l'avais fait en tant d'autres occasions où j'avais eu besoin de me servir de mes mains. Surtout, je ne devais pas faire de bruit. En descendre l'objet que je voulais prendre serait un peu plus difficile, mais je pensais pouvoir accrocher son fermoir mobile au col de ma veste et le porter comme un havresac. Une fois encore, je me demandais si la serrure était en bon état, alors que je ne doutais pas de pouvoir reproduire l'ensemble des mouvements familiers. J'espérais seulement que l'objet ne raclerait ni ne cognerait contre la paroi, et que ma main n'aurait aucun mal à l'ouvrir. Tout en réfléchissant de la sorte, j'avais pris la torche dans ma bouche et commençai à grimper. Les serrures saillantes ne m'offrirent pas beaucoup de prise, mais comme je m'y attendais, la porte ouverte de l'étagère m'aida considérablement. Je me servis à la fois de la porte dégondée et du bord de l'ouverture elle-même dans mon ascension, et réussis à éviter tout grincement trop bruyant en équilibre sur la partie supérieure de la porte et me penchant au maximum sur la droite, je parvins tout juste à atteindre la serrure visée. Mes doigts, à demi engourdis par mon escalade, se montrèrent au début très maladroits, mais je m'aperçus rapidement qu'ils étaient anatomiquement adaptés, et la mémoire du rythme à suivre était fortement ancrée en eux. La combinaison secrète et compliquée m'était revenue dans le moindre détail après avoir franchi, j'ignore comment, les mystérieux gouffres du temps. Aussi me fallut-il moins de cinq minutes de manipulation pour entendre un déclic que je reconnus avec d'autant plus de surprise que je ne m'y attendais pas consciemment. Un instant plus tard, la porte métallique s'ouvrit lentement en grinçant doucement. Stupéfait, je parcourus du regard les dos de la rangée d'étuis grisâtres ainsi mises au jour, et me sentis envahi par une vague d'émotion aussi poignante qu'inexplicable. Juste à portée de ma main droite se trouvait un étui dont les hiéroglyphes curvilignes me causèrent un serment de cœur doublé d'une angoisse transcendant la simple terreur. Tremblant toujours, je réussis à l'extraire de son compartiment dans un nuage de flocons granuleux et à le faire glisser jusqu'à moi avec un minimum de bruit. Il faisait, comme l'étui que j'avais manipulé un peu plus tôt, un peu plus de 20 pouces de long sur 15 de large et était décoré de bas-reliefs représentant des symboles mathématiques aux lignes courbes. Il avait à peine plus de 3 pouces d'épaisseur. Faisant de mon mieux pour le caler entre ma poitrine et la paroi sur laquelle j'étais perché, je fis jouer le fermoir et libérai le crochet. Après en avoir soulevé le couvercle, je fis passer le pesant objet sur mon dos de manière à ce que son crochet s'accroche à mon col. Puis, ayant à présent les mains libres, je regagnai gauchement le sol poussiéreux où je m'apprêtais à examiner mon butin. Agenouillé dans la poussière granuleuse, je fis pivoter l'étui sur ma poitrine et le posais devant moi. Mes mains tremblaient, et j'avais presque si peur de sortir le livre qui s'y trouvait que j'en avais envie et m'y sentais obligé. J'avais fini par deviner ce que j'allais y trouver, et cette prise de conscience paralysait presque toutes mes facultés. Si l'objet s'y trouvait bel et bien, et si je ne rêvais pas, alors les implications seraient telles que l'esprit humain serait rigoureusement incapable de les supporter. Ce qui me tourmentait le plus, c'était mon incapacité à considérer, pour l'instant, que ce qui m'entourait était un rêve. J'éprouvais un abominable sentiment de réalité que j'éprouve encore chaque fois que je me remémore cette scène. Enfin, je sortis en tremblant le livre de son étui et contemplai, fasciné, les hiéroglyphes familiers de sa couverture. Il était apparemment en parfait état, et les lettres curvilignes du titre me plongèrent dans une transe telle qu'il me sembla pouvoir les lire. D'ailleurs, je ne saurais jurer que je ne les déchiffrais effectivement pas grâce à une éphémère et terrible résurgence de mon autre mémoire. Combien de temps s'écoula-t-il avant que j'osasse soulever la mince couverture de métal Je l'ignore. Je temporisais et me cherchais des excuses. Je sortis de ma bouche la torche électrique et l'éteignis pour en économiser la pile. Puis, dans l'obscurité, je pris mon courage à deux mains et soulevai enfin la couverture sans rallumer. Alors seulement je braquai ma torche sur la page ainsi révélée, me blindant par avance pour ne pas crier quoi que je pusse y trouver. J'y jetai un coup d'œil et manquai m'effondrer. Mais serrant les dents, je gardai le silence. Je me laissais couler à terre et porter la main à mon front. Ce que j'espérais et redoutais à la fois se trouvait là, dans les ténèbres dévorantes. Mais je devais rêver, ou alors l'espace et le temps n'étaient plus qu'une farce. Je devais rêver, mais je mettrais cette horreur à l'épreuve en rapportant cette chose au camp pour la montrer à mon fils si toutefois elle était bien réelle. Je me sentis pris de terribles vertiges. Pourtant, je ne voyais aucun objet tournoyer autour de moi dans la pénombre inviolée. Je fus alors submergé par tout un flot d'idées et d'images absolument terrifiantes, déchaînées par les perspectives ouvertes par la page entrevue. Je repensais aux empreintes que j'avais cru voir dans la poussière et me mis à trembler en entendant ma respiration. Puis je rallumai ma torche et regardai la page comme la victime d'un serpent peut regarder les yeux et les crocs de son tortionnaire. Alors, dans le noir, je refermais le livre de mes doigts malhabiles et le replaçai dans son étui dont je rabattis le couvercle et réassujettis le curieux fermoir recourbé. C'était l'objet que je devais rapporter au monde extérieur, si toutefois il existait, si cet abîme existait vraiment, si le monde et moi-même existions vraiment. Je ne saurais dire à quel moment exactement je me relevais en titubant pour revenir sur mes pas. Je me souviens bizarrement, tant je me sentais exclu du monde normal, que je n'avais pas regardé une seule fois ma montre durant toutes ces affreuses heures souterraines. Le sinistre étui sous un bras et la torche à la main, je finis par dépasser à pas feutrés et en proie à une sorte de panique silencieuse l'abîme souffleur de vent et les empreintes insidieuses. Et si je pris un peu moins de précautions pour gravir les interminables plans inclinés, je ne pus me défaire d'un soupçon d'inquiétude que je n'avais pas éprouvé en les descendant. J'étais terrorisé à l'idée de retraverser cette sombre crypte basaltique plus ancienne que la cité elle-même, où des souffles glacés sourdaient d'abîmes laissés sans surveillance. Je repensais à ce que la grande race redoutait, à cette chose qui, si faible et à l'agonie que ce fut, pouvait continuer à rôder là-dessous. Je repensais à ces empreintes, aux cinq marques circulaires que j'avais cru voir, à ce que mes rêves m'en avaient appris, et à ces étranges vents et sifflements qui leur étaient associés. Enfin, je repensais aussi aux légendes des aborigènes d'aujourd'hui qui mettaient toujours l'accent sur ces grands vents terrifiants et ces ruines souterraines sans nom. Un symbole gravé sur un mur m'indiqua que j'étais arrivé à l'étage où je souhaitais me rendre. Et je parvins enfin, après avoir dépassé le premier livre que j'avais examiné, à un grand espace circulaire d'où rayonnaient les passages voûtés. Sur ma droite, je reconnus aussitôt celui que j'avais franchi à l'allée. Je m'y engouffrais sur le champ, sachant fort bien que la route qui me restait à parcourir une fois sorti du bâtiment des archives était encombrée par de nombreux gravats. Je trébuchais souvent sous le poids du lourd étui métallique et avait de plus en plus de mal à progresser sans faire de bruit sur les décombres et les gravats. Je parvins ensuite à la pile de débris qui montait presque jusqu'au plafond et à travers laquelle je m'étais frayé un étroit passage à l'allée. J'avais affreusement peur de m'y faufiler à nouveau, car j'y avais fait pas mal de bruit en la traversant la première fois et craignais plus que tout d'en refaire à présent à cause des empreintes que j'avais cru voir. Sans compter que l'étui rendait le franchissement de la fente exiguë deux fois plus problématique. Mais je réussis tant bien que mal à escalader la montagne de gravats et poussai devant moi l'étui à travers l'ouverture. Puis, la torche entre les dents, je m'y faufilai à mon tour, le dos à nouveau laminé par les stalactites. Lorsque je voulus récupérer l'étui, il m'échappa et dévala la colline de débris dans un tintamarre dont les échos assourdissants me donnèrent des sueurs froides. Je plongeai aussitôt pour le rattraper sans faire de bruit, mais juste après, des blocs, en glissant brusquement sous mes pieds, déclenchèrent un vacarme sans précédent. Ce vacarme me perdit, car, à tort ou à raison, je crus entendre un effroyable sifflement lui répondre, très loin derrière moi. Je crus entendre un son strident qui ne ressemblait à rien de terrestre, et était humainement impossible à décrire. Mais ce n'était peut-être que mon imagination. Si c'est le cas, alors ce qui suit est d'une sinistre ironie, car ma panique exceptée, le second incident ne se serait jamais produit. Quoi qu'il en fût, je fus en proie à un délire absolu, impossible à soulager. Prenant ma torche dans une main, et étreignant faiblement l'étui de l'autre, je me mis à sauter et à bondir comme un fou, courant droit devant moi et n'éprouvant rien d'autre qu'un désir fou de fuir ces ruines de cauchemar pour revenir au monde éveillé du désert et du clair de lune qui se trouvait tout là-haut, si loin au-dessus de moi. J'atteignis, presque sans m'en rendre compte, la montagne de décombres qui se dressait dans un linceul de ténèbres derrière le plafond éboulé et me meurtrit et me blessait à plusieurs reprises en escaladant à quatre pattes sa pente abrupte hérissée d'éclats et de pierres coupantes. C'est alors que se produisit l'immense, le terrible désastre. Au moment même où je franchissais le sommet dans le noir absolu, sans penser à la pente qui se trouvait juste derrière, je perdis littéralement pied et me retrouvai pris dans une avalanche meurtrière de maçonnerie éboulée dont le fracas assourdissant déchira les ténèbres de la caverne dans une série de réverbérations à faire se fendre la terre. Comment ai-je échappé à ce chaos Je ne m'en souviens pas. Mais un éclair de conscience me montre courant tête baissée trébuchant et me ruant dans le corridor au milieu du tumulte, sans avoir lâché l'étui ni la torche. Puis, alors que je m'approchais de cette antique et si redoutée crypte basaltique, je perdis totalement la tête. En effet, à mesure que s'éteignaient les échos de l'avalanche, j'entendis à plusieurs reprises ce terrifiant sifflement inhumain que j'avais cru percevoir un instant plus tôt. Cette fois, aucun doute n'était possible, et le pire, c'était qu'il ne provenait plus d'un point situé derrière, mais devant moi. Je crois que j'ai hurlé. Je me rappelle vaguement avoir traversé à toute allure l'infernale crypte basaltique des choses très anciennes et avoir entendu ce maudit sifflement inhumain monter de la trappe ouverte sur les ténèbres infinies de profondeur laissée sans surveillance. Je me rappelle aussi le vent, non plus un simple courant d'air humide et froid, mais une violente rafale maléfique que vomissait, sauvage et glacial, l'abominable gouffre qui vomissait l'obscène sifflement il me reste le souvenir d'avoir titubé et bondi par-dessus une multitude d'obstacles dans ce torrent de vent et de sifflements suraigu qui grossissait à chaque instant et semblait prendre un malin plaisir à s'enrouler et serpenter autour de moi pour m'attaquer vicieusement par derrière et en dessous bien qu'il soufflât dans mon dos ce vent paraissait bizarrement ralentir ma progression plutôt que la faciliter comme aurait pu le faire un filet ou un lasso jeté sur moi. Sans plus me soucier du bruit que je faisais, j'escaladai un obstacle constitué de plusieurs blocs et me retrouvais dans la partie du bâtiment qui conduisait à la surface. Je me rappelle avoir aperçu le passage voûté donnant sur la salle des machines et avoir réprimé un cri de terreur à la vue du plan incliné descendant, deux étages plus bas, vers une salle où devait béer l'une de ces maudites trappes. Mais au lieu de hurler, je me répétais tout bas que tout cela n'était qu'un rêve dont j'allais bientôt me réveiller. Peut-être étais-je au camp, ou peut-être chez moi, à Arkham. Ragaillardi par ces espoirs, qui soutenaient ma raison, j'entrepris l'ascension du plan incliné qui menait à l'étage supérieur. Je savais bien sûr qu'il me fallait encore retraverser la crevasse de quatre pieds de large, mais j'étais tourmenté par beaucoup trop d'autres craintes pour en mesurer toute l'horreur avant d'arriver au bord. Je l'avais franchi sans aucun mal à l'aller, mais serait-ce aussi facile dans le sens inverse, alors que je montais et que j'étais épuisé, gêné par la peur, ralenti par le poids de l'étui métallique. Et bizarrement tiré en arrière par le vent infernal qui soufflait derrière moi. Je ne songeais à tout cela qu'au tout dernier moment, au moment même où je pensais aux entités innommables embusquées dans les ténèbres de l'abîme ouvert au fond de la crevasse. La lueur vacillante de ma torche faiblissait, mais un vague souvenir m'avertit que j'approchais de la crevasse. Pendant un instant. Les rafales de vent glacées et les sifflements suraigus qui me pourchassaient me furent comme un opium miséricordieux, car ils anesthésièrent mon imagination, si prompte à se représenter l'horreur du gouffre ouvert à mes pieds. Et c'est alors que je me rendis compte qu'il y avait d'autres rafales et d'autres sifflements devant moi, monstrueuses marées vomies par la crevasse même, depuis des profondeurs inimaginées et inimaginables. Et c'est là, en effet, que l'essence même du cauchemar s'abattit sur moi. La raison me quitta, et oubliant tout sauf l'instinct animal de la fuite, je me ruai droit devant, gravissant les décombres de la pente comme si la crevasse n'existait pas. Puis, me voyant au bord du vide, je fis un bond frénétique où je mis tout ce qui me restait de force et plongeai dans un vertigineux pandémonium de bruits abominables et de ténèbres compactes. Pour autant que je m'en souvienne, mon aventure se termine ici. Toutes les impressions qui suivirent relèvent assurément du délire fantasmagorique. Rêves, folies et souvenirs s'entremêlèrent sauvagement en un chaos d'hallucinations fantastiques, n'ayant aucun rapport avec quelque réalité que ce fût. Il y eut une chute effroyable à travers une infinité de lieux d'obscurité vivante et visqueuse, un brouhaha de sons radicalement étrangers à tout ce que nous connaissons de la Terre et de sa vie organique. Descents en sommeil, Rudimentaires, parurent reprendre vie en moi pour me révéler fausses et vides peuplées d'horreurs flottantes, conduisantes à d'abruptes sommets et océans sans soleil, et à de populeuses cités hérissées de tours basaltiques aveugles que la lumière jamais n'avait effleurées. Les secrets des premiers âges de la planète et de ces ères immémoriales défilèrent en un éclair dans ma tête sans que je les entendisse ou les visse, et je me rendis compte que je savais bien des choses que même les plus fous de mes anciens rêves ne m'avaient jamais suggérées. Et pendant tout ce temps, des doigts glacés de vapeur humide m'agrippaient et me maltraitaient tandis que cet abominable sifflement suraigu se déchaînait diaboliquement au-dessus des silences et des brouhahas qui se partageaient ces ténèbres tourbillonnantes. Vinrent ensuite des visions de la cyclopéenne cité onirique, non plus en ruine, mais telle que je l'avais rêvée. J'étais de retour dans mon corps conique, non humain, et me mêlais à la foule de ceux de la grande race et aux esprits captifs chargés de livres qui montaient ou descendaient de titanesques corridors ou vastes plans inclinés. Puis, en surimpression sur ces images, s'ajoutèrent de fulgurantes et terrifiantes bribes de conscience non visuelle, évoquant des luttes désespérées, des contorsions pour se libérer de l'étreinte des tentacules du vent siffleur, un vol insensé, pareil à celui d'une chauve-souris, à travers d'épaisses ténèbres, une fuite frénétique à travers la nuit fouettée par le cyclone, et une course erratique et trébuchante sur des monceaux de gravats. À un moment donné, il y eut l'insolite et fugitive intrusion d'une esquisse d'image, un vague et faible soupçon de lueur bleuâtre au-dessus de ma tête lui succéda alors à un rêve d'escalade et de reptation, où le vent me pourchassait tandis que je rampais sous les rayons d'une lune sardonique dans un fouillis de débris qui glissait et dégringolait derrière moi dans un ouragan morbide. Ce fut la maléfique et monotone pulsation de ce clair de lune horripilant qui m'apprit le retour de ce que j'avais autrefois considéré comme le monde objectif de l'éveil. J'avais les doigts enfoncés dans le sable du désert australien où je rampais au milieu des hurlements d'un vent si tumultueux que je n'en avais jamais entendu de semblables à la surface de notre planète. « Mes vêtements étaient en lambeaux et mon corps n'était plus qu'échimose et contusions. »« Il me fallut du temps avant de reprendre totalement conscience. »« Et jamais je ne pus dire exactement à quel moment ma mémoire céda la place au délire onirique qui lui succéda. »« Il semblait y avoir eu un amoncellement de blocs titanesques, un abîme en dessous, une monstrueuse révélation du passé » Et pour conclure, une horreur cauchemardesque. Mais qu'y avait-il de réel dans tout cela Ma torche électrique avait disparu, tout comme l'étui métallique que je me rappelais avoir découvert. Un tel étui avait-il seulement existé Un tel abîme Un tel amoncellement de blocs Levant la tête, je regardais derrière moi et ne vit que les sables stériles et sinueux du désert. Le vent démoniaque tomba, et la lune bouffie et fongoïde sombra vers l'ouest en rougeoyant. Vacillant à moitié, je me relevais pour prendre en titubant la direction du sud-ouest et regagner le camp. Que m'était-il arrivé en vérité? M'étais-je simplement écroulé dans le désert, entraînant sur plusieurs miles de sable et de blocs à demi enfouis un corps supplicié par les rêves? Sinon, comment pourrais-je supporter de vivre plus longtemps? Car à la lumière de cette nouvelle incertitude, tous les espoirs que j'avais fondés dans le fait que mes visions ne reposaient sur aucune réalité, mais avaient été inspirées par des mythes, se dissolvaient une nouvelle fois dans les doutes infernaux du début. Si cet abîme était réel, alors la grande race l'était aussi, et ses enlèvements et incursions sacrilèges dans le tourbillon cosmique du temps n'étaient ni des mythes ni des cauchemars mais une terrible et angoissante réalité. Avais-je vraiment subi cette épreuve abominable consistant à être entraîné dans un monde préhumain vieux de 150 millions d'années pendant ma mystérieuse et déconcertante amnésie Mon corps actuel, avait-il été le véhicule d'une effrayante conscience extraterrestre issue des gouffres paléogènes du temps Esprit captif de ces horreurs à l'étrange mode de locomotion, avais-je vraiment connu cette maudite cité de pierre au premier temps de sa splendeur Avais-je parcouru ces couloirs familiers en me contorsionnant dans le corps répugnant de mon ravisseur Ces rêves qui me torturaient depuis plus de vingt ans, résultaient-ils vraiment de monstrueux souvenirs M'étais-je vraiment entretenu avec des esprits venus du fin fond du temps et de l'espace Avais-je vraiment appris les secrets passés et avenirs de l'univers et rédigé les annales de mon propre monde pour l'un des étuis métalliques de ces archives titanesques Et ces autres entités, ces repoussantes choses très anciennes, maîtresses des vents déments et des sifflements démoniaques. Était-elle vraiment une menace latente embusquée dans de noirs abîmes où elles attendaient et s'affaiblissaient peu à peu pendant que diverses formes de vie égrainaient leur parcours multimillénaire sur la surface vieillissante de notre planète? Je l'ignore. Si cet abîme et ce qu'il contient existent pour de vrai, alors c'est sans espoir car, tout aussi réel, plane sur notre monde humain une inconcevable et moqueuse ombre surgie du temps. Mais, Dieu merci, rien ne prouve que toutes ces choses ne soient pas une nouvelle phase des rêves que les mythes m'ont inspiré. Je n'ai pas rapporté l'étui métallique qui aurait pu constituer une preuve, et jusqu'à présent ces galeries souterraines n'ont jamais été retrouvées. Si les lois de l'univers sont clémentes, elles ne le seront jamais. Mais je dois dire à mon fils ce que j'ai vu ou cru voir, et laisser le psychologue qu'il est juger de la réalité de mon expérience et décider de l'opportunité de rendre public ce témoignage. J'ai dit que l'horrible vérité à l'origine de mes éreintantes années de rêve dépendait entièrement de la réalité de ce que j'ai cru voir dans ces ruines cyclopéennes ensevelies. Il m'a été très difficile de coucher noir sur blanc la révélation cruciale, même si tous les lecteurs l'ont déjà devinée. Elle se trouve bien sûr à l'intérieur du livre contenu dans l'étui métallique ce même étui que j'ai tiré de son repère dont nul n'avait foulé la poussière depuis un million de siècles aucun œil n'avait jamais vu aucune main n'avait jamais touché ce livre depuis que l'homme avait fait ses premiers pas sur cette planète pourtant dans cet effroyable abîme mégalithique lorsque je braquais ma torche sur ces pages de cellulose cassantes et brunies par le temps je vis que les caractères bizarrement colorés n'étaient absolument pas des hiéroglyphes innommables datant de l'aube de la terre. C'étaient les lettres de notre alphabet familier formant des mots anglais écrits de ma propre main.